Ben, les nouveaux iPhone 11 et 11 Pro, les téléphones d'Apple ont-ils rattrapé, voire devancé, les meilleurs modèles sous Android au registre de la photo Les gains en autonomie et en performance justifient-ils d'investir ou est-il préférable d'attendre les modèles de l'année prochaine Premier verdict oh, le Mac. Bonjour à tous, vous regardez, on refait le Mac Alias ou Lm, Très heureux de vous retrouver dans notre tout nouveau studio, notre nouveau décor pour cette émission spéciale. Consacré aux nouveaux iPhones. ils viennent tout juste d'arriver. Regardez, ils sont de toute beauté. Un iPhone 11 Pro Max et ici un petit jaune, un iPhone 11. On va les comparer. On a une heure pour cela avec l'ancienne gamme. En préambule, je tenais vraiment à vous remercier pour avoir été si nombreux la semaine dernière à nous suivre pour notre direct lors de l'Apple Event où nous avons enregistré plus de 150 000 vues. Record battu pour Enfait le Mac. Mille merci à vous. Je vous rappelle refait le Mac est disponible en vidéo sur notre site www. On refait le mac.com et sur notre app iOS ORLM, mais également sur YouTube, Dailymotion, iTunes et Podcast. On refait le mac est également disponible en version audio, sur iTunes à nouveau, Podcast à nouveau, mais également sur Spotify, Deezer et TuneIn. Avec comme chroniqueur cette semaine en plateau le Barry White de la tech, Laurent Patanache, Dix-Brenn. Bonjour Laurent. Bonjour Olivier. Ça va bien Ça va très très bien. Bon, tu es comme un enfant devant un arbre de Noël, hein, regarde. Ouais. Hein Bon, depuis tout à l'heure, il n'arrête pas de faire des selfies et des selfies, vous allez voir ça. <laughs> en plateau également, celui qu'on surnomme cette fois-ci le Jean-Pierre Coff de la Tech, Didier Policani de mac 4 Bonjour Didier. C'est Olivier, moi je voulais dire que ton décor est incroyable. Ouais, bah, ouais, t'as vu ça hein. Il est magnifique, il est plus beau que l'iPhone 11. Non, quand même pas, je pas jusque-là, mais <laughs> c est, c est, on peut le dire, c'est Johnny Yave qui nous l'a fait. Allez, voilà, on lance une rumeur. Alors, en duplex, un historique de, de cette émission, un journaliste de LCI, très un vieil habitué de l'iPhone, bien sûr. Euh, Cédric Ingrand, bonjour Cédric. Salut Olivier, euh, toi aussi tu l'as en main, oui, ou enfin presque. presque. Je veux dire, je parle de l'iPhone. Tu, par euh, tu parles de ça mmh. Je parle de ça. Ouais. Voilà. Bah, ça, ça, ça ça vaut le coup. Il hein. y a des choses à dire quand même. Toi aussi tu l'as reçu, Cédric Oui, bien sûr. Il est pas, comment dire Attends, il est où Il est là, regarde. C'est il il est... Ah, est est pas... le green, euh, c'est la nouvelle couleur verte, c'est ça Oui, c'est la nouvelle couleur verte. Alors il n'est pas entièrement différent, mais quand même il euh, y a des changements qui font la différence. Maintenant, est-ce qu'il faut mettre à jour si as le précédent On a une heure pour en parler. Voilà suspense. Alors l'iPhone 11 est arrivé, vous l'aurez compris, mais les coques pour les protéger sont également déjà disponibles chez euh, notre partenaire de cette émission Rhino Shield qui vous propose une gamme complète et innovante. Regardez, je l'ai là, il y a plein de modèles différents. Euh, les deux mots d'ordre de cette marque, c'est tout d'abord une protection de haut vol qui surpasse les standards militaires et ensuite la possibilité de personnaliser votre euh, votre coque. Vous avez le choix entre plus de 300 designs. Vous pouvez euh, changer les boutons, le verso de votre coque. Bref, avec Rhino Shield, vous disposer vraiment de la coque qui vous ressemble. Faut-il craquer pour les iPhone 11 et 11 Pro ou plutôt allez-vous craquer C'est la question de notre sondage cette semaine. La question qu'on vous posait cette semaine sur le compte Twitter de le Mac était envisagez-vous, envisagez-vous pardon d'acheter les nouveaux iPhones Vous êtes plus de 50% à répondre non, j'attends l'iPhone 12 donc l'année prochaine. Euh, 25% à répondre je choisis un iPhone 11 Pro pour les fonctions photo. 15% tout de même à choisir non euh, je préfère switcher sur Android, 15% pour euh, le public de Refilmax, ça me semble assez beaucoup et enfin 10% seulement à choisir un iPhone 11 pour son meilleur rapport Qualité prix, donc vous êtes une majorité avant même sa sortie à ne pas être convaincu par les nouveaux modèles. Messieurs en plateau, vos réactions Didier, c'est assez inquiétant, notamment les 15% qui préfèrent switcher sous Android. Il hein. bon, faut voir aussi comment Apple étale sa gamme maintenant. C'est vrai qu'on a des iPhones qui sont très très chers. donc euh, voilà, Les nouveaux iPhones représentent plus euh, plus de 50% des ventes. Donc on a forcément des, des, des gens qui attendent un petit peu, bah, avec les prix baissent aussi. Et puis c'est vrai qu'il y a un phénomène aussi de, de génération. On, on les garde un petit peu plus longtemps, on les garde 3-4 ans. Et là, par exemple, bah, de ne pas avoir la 5G cette année, alors que tous, tous les concurrents sous Android vont avoir la 5G. Peut-être que tu te dis, d'ici 3-4 ans, pour revendre ton téléphone, ça va être un petit peu plus compliqué quand il y a les nouveaux réseaux rapides qui arriveront. Voilà, ça peut être des, des, des théories comme ça. Cela dit, euh, d'après les premiers chiffres, l'iPhone 11 marcherait plutôt bien. Les précommandes auraient plutôt bien fonctionné. Mais encore une fois, voilà, on ne connaît pas effectivement le pourcentage de, dans les ventes. Quoi. Alors toi qui es un fanboy absolu, euh, Laurent, tu as déjà précommandé ton iPhone, mais euh, c'est vrai qu'il y, y, y a beaucoup d'attentisme. On l'a dit, tu comprends cette réaction également je pense que je pense qu'on est on est effectivement sur un sur un phénomène. Je vais pas dire de saturation, mais de suréquipement. à un moment donné quand il y avait un, star, un smartphone, bon, mais ben c'était aujourd'hui ça monte, ça monte, il y a le ça monte, ça monte. Facteur prix, hein, sur quoi. Oui, 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 il y a le facteur prix, mais mais il y a aussi un phénomène. Un donné, quand tu regardes dans la rue, les gens, tout le monde a un smartphone. Donc du coup, il y, y a un arbitrage qui se fait. Aujourd'hui, euh, euh, ça a été le débat, on en a parlé euh, au cours des semaines passées, euh, mon XS, euh, finalement, euh, si je ne l'avais pas noyé, peut-être que je me serais posé la question. <laughs> ça, mais, ce qui est intéressant... Je, euh, tu l'aurais pas un peu noyé exprès en disant non, tu, tu, tu non, pas non, si non, 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 là, non, mais au-delà de ça. Ce qui est intéressant, c'est que euh, je me suis rendu compte de finalement un des usages euh, principaux. Fait avec son téléphone aujourd'hui, c'est de prendre des photos. Et le paradoxe, c'est que l'axe le, le, qui a été mis par Apple, ah c'est la photo. Ouais. Du coup, je me dis, bah, finalement, est-ce que bah, c'était pas le bon axe Parce que les gens, aujourd'hui, prennent des photos. Euh, on n'a pas les chiffres hein, de, de nombre de comptes euh, iCloud ouverts. Mais euh, en discutant autour de moi, je me suis amusé à poser la question et je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de gens qui prenaient des comptes iCloud pour euh, stocker leurs photos et les garder d'un téléphone à l'autre. Donc je me dis, l'usage photo est, 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 est quelque chose qui est très intéressant selon moi. Euh, Tes réactions de ton côté, Cédric, en duplex de, de chez toi, <laughs> euh, est-ce que c'est euh, est des chiffres qui te surprennent, qui t'inquiètent pour euh, la base installée Apple Est-ce qu'il y a une certaine érosion de, 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 la, de, la, euh, de la confiance et de la fidélité des, des clients d'Apple autour de l'iPhone Toujours se méfier des sondages, euh, ouais. toujours se méfier des choses déclaratives, parce que là-dedans, tu as probablement des gens qui n'ont jamais eu un iPhone en main. donc ouais, difficile y a de leur dire ça. Quelques qui sont peut gliss chose. glissés, c'est ça quelque, Quelques haters. Ouais. Euh, non, mais pas forcément. Mais, mais euh, moi, je suis pas très inquiet. La, la question, c'est quand même de savoir que. Euh, dans la vraie vie, les gens renouvellent leur smartphone un peu moins souvent qu'avant, voire enfin, largement sou moins souvent qu'avant. Bah, c'est lié à plusieurs choses. D'abord au, au prix de la bête, c'est-à-dire que quand as payé 600, 700, 800, voire 1000 euros et plus pour t'acheter un smartphone, tu vas le faire durer un peu quand même. Surtout quand il n'y a pas une révolution technologique. C'est un truc qui tout à coup devient rend absolument nécessaire que tu passes à la suite. Donc non, c'est pas c'est pas très surprenant. Euh, mais euh, et puis il n'y a pas tu vois on n'est pas on est pas dans une dans une génération où euh, tout a changé le design a changé l'interface non on n'est pas comme face à l'iPhone 10 à l'époque euh, mais bon il y a quand même quelques petits incentives sur le prix moi je, je remarque quand même euh, tout l'accent mis par Apple sur la, la communication autour du 11 juste le 11 de base pas le Pro pas le Pro Max le 11 euh, on a l'impression que c'est toujours de celui-là qui vous parle d'abord euh, comme si euh, cela était finalement euh, voilà, je sais pas, réservé à des gens qui avaient envie de dépenser beaucoup d'argent dans leur téléphone ouais, parce que l'année dernière euh, le, le 10R c'est beaucoup mieux vendu que le, que le 10S le 10R qui, bah, est, qui oui. va être remplacé enfin qui est remplacé, qui est maintenant bah, chapeauté est... par le 11 et le 10 voilà, qui non, est chapeauté et... par le 11 Pro et quelle est, est la meilleure définition du, du good enough Tu vois ce que je veux dire Et là, les fonctions photos euh, sur l'iPhone 11, donc euh, successeur du 10R, euh, sont largement good enough. C'est-à-dire que vraiment, tu fais des choses absolument remarquables avec. Donc voilà, le, le, la, la motivation a changé. Moi, j'ai envie de dire, si vous aviez un 10S, est-ce qu'il faut changer je ne pense pas que vous ayez une motivation terrible à aller relâcher. Euh, on a une heure quoi, hein, pour ça, Cédric, pour répondre. Ouais, c'est ça, question. voilà. Hein mais. Je sais qu'on qu va y revenir. Si vous aviez un smartphone d'avant. Bon, je sais que tu adores donner les réponses, oh, oh. les conclusions oh. des émissions en début. C'est un Ah Mais de moi, je me des questions, Après je, vous pose, des, je, voilà, je pose des questions. Je donne des réponses. Je suis blindé. Alors, il y a quand même pas mal de réactions de votre côté sur Twitter. Regardez la réaction de M. Thiboug sur Twitter, alias Thiboug Réunion. J'ai switché, switché pardon pour un P30 Pro il y a six mois et le 11 ne me fait que rattraper et le 11 ne fait que rattraper son retard. J'attends donc le 12. R euh, réaction à, à opposée. Euh de Luco DCZ alias Luco DCZ sur Twitter. Ayant un iPhone 10, les changements sont peu flagrants. Seule la partie photo me paraît un vrai plus. Donc là, il trouverait au moins un écho sur les fonctions photo. Euh, une, une réaction de Raphaël alias 14 Raphaël 06110 Sur Twitter, j'ai le XS, le 16, pardon. Ce qui me pousserait à changer, c'est notamment la batterie 4 heures de plus. c'est pas négligeable. Mais j'attends quand même le 12. C'est vrai qu'on va en parler. Vous verrez que la, la batterie, c'est vraiment la bonne surprise. Et enfin, euh, Jackie Chun non Pas Jackie Chan, Alias Jackie Chun 15. J'attends le SE2 écran bord à bord avec une batterie plus, plus performante. Alors, là, ce qui est amusant, euh, euh, cette fois-ci euh, euh, Didier, c'est que finalement là Apple n'évite tire de rumeurs on n'en sait rien si y a un iPhone dans l'année a un abordable, cet iPhone on l'attend depuis des années, n'est jamais sorti jusqu'à maintenant. plus a Cet iPhone, a toujours eu une rumeur qui sorti Mais of pense qu'ils vont y a toujours eu une rumeur qui revient. y a quand qu'ils vont vont quand même refaire a un petit parce a little a little bit of a little tu il a little encore hein. enfin, on arrive encore à le trouver un petit peu donc euh... Et pour refléter, je dirais, de manière générale, ce que vous, enfin la pensée générale de, de, de notre audience sur Twitter, celle de Jérôme Mott sur Twitter, il n'y a pas eu d'effet waouh. Effectivement, euh, le design n'a pas changé, donc il n'y a pas forcément euh, de, de, de surprise ou de choc visuel. Quoique vous allez voir que le design a quelques, nous réserve quelques bonnes surprises. On en parle dans ce prochain chapitre. Design du neuf avec du vieux, point d'interrogation. Euh, déjà, avant de parler design, on, on a quand même fait un petit, une, une petite séquence d'unboxing qu'on a filmé avant le début de cette émission avec notre ami Didier. Alors, bien sûr, on trouve dedans euh, pour l'iPhone 11 Pro euh, l'unité, le livret, euh, les, les AirPods, hein, toujours pas d'AirPods, les AirPods. On est signé votre prix, on, on aurait espéré peut-être euh, un casque Bluetooth. Et bonne surprise, Didier, une alimentation électrique la même que celle des, des iPad Pro. Oui, oui, enfin euh, le chargeur rapide hein, qu'on a euh, sur Android euh, depuis euh, bon, plusieurs années maintenant, Donc, euh, ouais, qui est dispo dans la boîte. Donc, ça, c'est quand même assez pratique, puisqu'en plus, tu as le câble USB-C qui va avec. Donc, voilà, si acheter euh, les derniers euh, MacBook, MacBook Pro, tu as pu racheter ces câbles qui valent quand même très cher. Hein, si tu veux te faire le, le petit combo de charge rapide, tu, tu t en as pour. Euh... Donc, on peut brancher son, iP son iPhone euh, euh, 11 Pro directement sur. Euh, sur son MacBook Pro sans utiliser un adaptateur ou acheter le câble c'était minimum, le minimum syndical ils l'ont fait euh, 18 watts de puissance en, en gros on charge on gagne Qu'est-ce qu'on obtient en termes de charge rapide En fait, c'est le chargeur que tu as envie d'utiliser comme ça quand vraiment tu t es à 50% de batterie, que c'est encore le mieux de la journée. Ouais. Hop, tu le mets, tu le mets une demi-heure, il te charge 50%. Et puis après, ça va quand même encore très très vite. Tu arrives à le charger quasiment en moins, moins de, je crois, une heure et demie, quelque chose comme ça. Enfin, ouais. ça dépend un peu du modèle. Hein. Alors, par contre, du côté de l'iPhone 11, on est resté sur une offre plus classique. On retrouve les mêmes accessoires que sur l'iPhone 11 Pro, à savoir toujours le même casque, etc. Par contre, un chargeur classique de 5 watts, là, on se dit what the fuck. Voilà, avec le petit câble USB. Après, il y a peut-être aussi une réflexion un petit peu de. Voilà, c'est un public peut-être un petit peu différent, qui a peut-être encore les anciens MacBook avec de l'USB un peu plus classique ou voilà des gens qui ont des PC. Donc, bon, ce pas totalement illogique, mais c'est vrai que de ne pas avoir le chargeur rapide, c'est quand même dommage. Alors, revenons au design de face. Regardez, euh, rien, je le tourne, hein, rien ne change. Hein, ça reste à côté, vous avez le mien, ici, le, le 11 Max. Qui était là le XX Max, donc de, de, de face, rien, rien ne change en apparence. C'est vraiment quand, quand on le prend en main, euh, du moins pour le pro, qu'on en perçoit vraiment, euh, je le prends en main ici, qu'on en perçoit vraiment euh, qu'il est légèrement plus lourd. Ce n'est pas non plus d'énorme écart et, et, et surtout un peu plus épais. 226 grammes pour l'iPhone 11 contre 208 grammes pour l'XS Max, donc c'est vraiment très fin, très, très peu de différence. Euh, 188 grammes par contre pour le 11 qui est un peu plus petit, là on parle du Max, euh, c'était 177 grammes l'année dernière. Euh, comment on peut expliquer euh, voilà, ça permet de faire... pourquoi il a pris du poids cet iPhone Il y a une raison cachée, j'imagine, euh, Didier. Ah, bah, Apple ne fait rien par hasard. Mais déjà, c'est des, des téléphones qui sont très, très denses hein, quand, même, quand tu les as dans la main. Ouais. C'est la première fois que je mets des coques de protection là, depuis le 10 à peu près, parce que je trouve qu'on les fait tomber très facilement. Et évidemment, bah, ils ont grossi pour, pour mettre un petit peu plus de batterie. Ouais. Voilà, donc on gagne euh, entre 5 et euh, 20, 25% je crois suivant euh, les modèles. Donc on retrouve aussi bien sûr les gains en autonomie, je pense on en reparlera euh, peut-être un petit peu après. Ouais. On, la promesse d'Apple en tout cas c'est 4 heures de batterie en plus pour le Pro et 5 heures en plus pour le Pro Max, donc c'est quand même énorme le, le gap. Euh, la seule différence qu'on a, qu a perçue, et c'est vraiment un film sur les images qu'on a tournées tout à l'heure, euh, euh, Didier, c'est qu'effectivement, le, le 11 Pro euh, est un légèrement plus épais, 0,4 mm, mais euh, ça, 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 on va voir si l'effet est, est vraiment important en termes de... de D'autonomie, on en parlera euh, en fin d'émission. De l'autonomie et des bands. tous de les changements sont plus marquants avec les arrivées de nouveaux modules caméra. Hein, ça a fait beaucoup les, couler beaucoup, beaucoup d'encre. Euh, mais ce qu'on n'avait pas perçu sur le pro, c'est que le module caméra eh bien la finition est, elle est euh, brillante. Et, et le dos et la finition est mat euh, Je trouve ça plutôt beau. Euh, il y a eu beaucoup de réactions de ceux qui ont eu la chance, les testeurs, notamment aux États-Unis, d'avoir depuis 15 jours Didier, ou même euh, on va dire avec Laurent parce que tu as pas eu la parole, euh, en disant c'est beau, mais en plus c'est utile parce que ça glisse pas. On s'est amusé tout à l'heure, ça glisse toujours. On est bien d'accord. Hein. Alors euh, effectivement, c'est 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 étonnant, euh, beau, c'est une nouveauté. Hein, donc, euh, mais c'est vrai qu'on avait des téléphones qui étaient allés vers euh, plutôt du, euh, du du brillant et euh, du côté d'Android, il y a énormément de coques, enfin de de dos plastifiés. Hein, donc et donc du coup, c'est forcément plutôt lisse. Euh, le satiné, euh, je sais pas si on peut le, le mat, hein, je l'appelle plutôt satiné euh, et, euh, et, et, et vraiment agréable sur le blanc. On, on s'est fait la remarque d'ailleurs que ça faisait très beau. Euh, alors après par contre le côté glissant, tu euh, te rends compte que finalement et je suis entièrement d'accord avec Didier, la densité des téléphones et on le voit bien quand on compare à des téléphones de taille à peu près équivalente. Typiquement on prend un iPhone 8 euh, et un iPhone de 10, 10S et maintenant 11 à taille équivalente, la densité c'est une brique quoi. Ouais. Euh, on, on le sent vraiment et ça fait très très drôle quand tu en reprends à la main. Donc non je pense qu'il va, c'est pas ça qui va l'empêcher de glisser, c'est pas antidérapant. Alors Cédric sur Twitter, toi qui, euh, enfin sur Twitter, sur Skype, toi qui l'as eu en main, je fatigue excuse moi on enregistre mmh. très tard parce qu'on a eu des iPhones très tard vous l'aurez compris alors moi j'ai le blanc donc le, le choc avec, euh, avec l'ancien modèle qui doit être quelque part par là il est là regardez là j'ai le, le 11 max euh, alors c'est la même couleur mais en fait il y a une vraie différence avec ce traitement euh, mat euh, c'est comme si le vert avait été poli hein, dans, dans, mais c'est d'ailleurs ce qui a été fait euh, toi tu as la version euh, green la version verte mmh. euh, est-ce que tu penses à un, voilà, -ce que c'est suffisamment ch change, un changement suffisamment important pour justifier de, de changer de modèle Quoi, juste la couleur et ouais. le domate. Le domate, tu pouvais te le faire toi-même, hein. c'est pas. Euh... Euh... <laughs> je, non, tu n'irais rivières moi... à côté de la maison. <laughs> non, mais c'est pas ce que je veux dire. Mais tu vois, y a... moi, bah, tiens, regarde. Sur celui-là, j'avais un... un domate. Puis ouais. en plus, Gold is Best. Ouais. Non, mais Gold is Best, moi, j'aime beaucoup le vert. Hein. J'avoue que voilà. Mais voilà, j'avais déjà un domate. Il y a des entreprises qui te font des films tout à fait réussis euh, à l'arrière. Ouais. Euh, mais c'est vrai que ce, ce vert est assez, euh, d'abord, très agréable, je trouve. Euh, ça glisse quand même moins. Surtout, qu'est-ce que c'est mieux en termes de traces de doigts euh, mmh. C'est plus une espèce... Sou Souvenez-vous du piano black euh, ouais. Mais euh, donc, non, en termes de design, bon, après, c'est vrai que si je ne te montre pas le dos du téléphone, si je te le montre que de ce côté-là, tu, tu vas ouais. me dire, euh, c'est quoi mmh. C'est le ça même. Date de quand Et euh, ça, c'est la fameuse vidéo avec le faux Hitler qui dit, euh, pourquoi voulez-vous que je change de téléphone si mes amis ne vont pas voir la différence euh, alors c'est sympa. Oui, ah, euh, oui, Laurent. Euh, il y, y a des choses qu'on attendait, mais on se l'est dit au moment de la keynote. Ouais. Euh, on s'attendait peut-être à ce qu'il fasse un effort, à ce que le notch se réduise un peu. Rien du tout. Euh, et, euh, et comme autre attribut extérieur de design, euh, moi, je, quand, quand on m'a dit qu'il euh, va y avoir des iPhone 11 Pro, j'ai dit ça y est, c'est du USB-C pour tout le monde. J'ai un... posé hum. la question aujourd'hui, on a dit. Hmm, ouais. <laughs> on ne va pas répondre. Ouais, il y a un Laurent, point, ouais, un point important, c'est que. Alors encore une fois, hein, il faut se méfier des statistiques. Euh, on en a... Mais il semblerait, de ce qui hein, commence à, à, à sortir de, des précommandes, que les modèles qui seraient les plus précommandés seraient le vert, nouvelle couleur, et euh, le oui, jaune. Ce qui est un vrai changement. Oui. Ce qui est intéressant, hein, je, je raconte toujours l'histoire de, de, que, que me raconte un ami, hein, quand tu achètes une Mercedes, tu essaies de justifier l'achat de ta Mercedes parce que c'est une bonne bagnole, la seule chose que tu fais, c'est épater tes voisins. Ouais, là ce que tu fais, c'est que tu dis, ben, finalement, je ne le change pas, mais si je dois changer, tant qu'à faire, euh, prendre la couleur nouvelle pour être sûr qu'on euh, verra que j'ai le nouveau. C'est quand même un objet statutaire, l'iPhone. Tout à fait. Et à ce prix-là, ça l'a encore plus. Didier, on comprend pourquoi les ventes euh, décollent très rapidement pour le vert. Après, sur la durée, il est certain que le 11 va prendre le relais. Quoi. Oui, très clairement. Mais après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est vrai que les. Les, le renouvellement est très lent aussi. D'ailleurs, on le voit dans la rue, c'est assez amusant. Les gens se mettent à acheter maintenant des 10, par exemple. Les, ah. Le 10S, là, va oui, être une super il a, affaire. Les, 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 voilà, les, les un, vachement accessible en prix Après, ils ont encore pas mal de stocks, etc. Donc, euh, on va avoir un renouvellement comme ça. Et là, dans la rue, on commence à voir pas mal maintenant de, de, de ce format-là, un petit peu du, du 10. Puis là, voilà on rechange un petit peu le, le modèle. Donc, maintenant, c'est un nouveau paradigme. Allez, on conclut rapidement sur les couleurs. Donc, trois couleurs, euh, quatre couleurs sur le, euh, sur le 11 Pro euh, et euh, 11 Pro Max. Gris sidéral, argent et or. Là, vous avez le, le argent. Et euh, une nouvelle couleur vert nuit euh, chère à, à Cédric. Le 11 euh, tout court se décline, compta, se décline pardon, quant à lui, j'ai du mal aujourd'hui, en 6 couleurs blanc, noir, vert, jaune, mauve et raide. Euh, et cette fois-ci, ils ont inversé les tendances le rendu est cette fois-ci brillant. Euh, sur le dos et euh, le, le capteur photo euh, enfin le contour du capteur photo est mat oui, le, le le bord de la coque est, est, est du 11 est mat aussi et ça c'est très euh, oui c'est l'inox euh, hein, c'est pas de ouais, ouais, c'est de l'alu c'est pas l'inox pardon tu as raison comme sur le, le 11 pro c'est un petit peu moins luxueux dirons nous mais euh, je trouve ça très plutôt plutôt joli mais en fait si on veut vraiment des changements plus importants et certainement ce qui explique l'attentisme de notre sondage c'est qu'il faudra attendre pour l'année prochaine euh, on est à peu près à un cycle de, de, de renouvellement des, des, des designs de 3 ans donc euh, l'année prochaine en classe euh, euh, un mot quand même <laughs> sur, sur l'étanchéité, c'est un domaine que tu t'intéresses <laughs> puisque tu as flingué ton iPhone XS cet été. Euh, ils ont amélioré l'étanchéité jusqu'à mmh. 4 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum. Mmh. 4 selon les indicateurs. Ouais. Les, les, les Ça c'est pour le, le 11 Pro et jusqu'à 2 mètres pour, mmh. le, pour le 11. 11. Mais il faut rappeler que c'est toujours pas couvert par la garantie. C'est toujours pas couvert par la. Ça ne sera toujours pas couvert par la garantie puisqu'ils sortent euh, vendredi. Donc pour, pour des raisons les raisons évoquées, hein, est, il est très difficile pour Apple de savoir si tu as franchi euh, la barre des euh, 5 mètres par exemple, euh, ou si tu es resté plus de 30 minutes euh, et que du coup l'infiltration a été faite. Voilà. Ouais, J'ai eu des petites infos en Apple Store. Ouais. Ils ont quand même un niveau de souplesse parce qu'il y a des petites pastilles qui se colorent. Etc. Ça va mmh. peu à tête du client. Hein. Donc Non, mais ça dépend. Ouais. Voilà, S'il a été vraiment immergé, tu as toutes les pastilles qui sont rouges. Là, c'est plus compliqué. Si tu as qu'une des deux, etc. il ouais, si ouais. Et faut joie, quand ouais. même oh, euh, dire aux gens que ces trucs-là sont pas faits pour aller faire de la photo dans la piscine. Ils sont étanches au cas où. Quoi. En cas d'accident, ah, il va, lui, il elle va elle te sauver la vie. <rire> 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 mais filmer dans l'eau avec ça, c'est pas une GoPro. Parce que les joints, enfin, il y a tout un tas de. Ne serait-ce que la carte SIM, si tu la changes de temps en temps, ton joint, il peut bouger un petit peu donc ouais, moi je trouve que à 1500 balles ouais, tu mets pas ça l dans l'eau volontairement quoi. Ouais. Bon. Euh, en tout cas cette année j'ai pris des belles photos hein. j'ai pris une belle, belle vidéo je te <laughs> oui, montrerai la, 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 vidéo. La, la vidéo la vidéo est magnifique de ce saut dans l'eau avec ses, trop, ses, avec avec ses bulles d'eau qui remontent euh, donc bref cette année vous l'aurez compris Apple préfère miser à fond euh, sur, la photo plutôt que, euh, sur la photo plutôt que sur le design hein, comme principal argument de vente est-ce payant est-ce que ça va être payant en clair sur les clichés qu'on a pu prendre ou qu'on a pu voir sur les différents sites qui ont eu la chance de le tester depuis une semaine on va tenter d'y répondre. Photo, le meilleur, c'est l'iPhone. On peut déjà se positionner. C'est vraiment la tendance qui, euh, qui semble se positionner depuis quelques jours que les premiers tests sont sortis. D'après les premiers tests qu'on a pu faire de notre côté, euh, Apple semble vouloir rattraper et semble réussir à rattraper les meilleurs téléphones sur Android au risque de la photo. Pour le Pro, on l'a dit, Apple a intégré non pas deux, mais désormais trois objectifs. Un ultra grand-angle, c'est la grande nouveauté, et un téléobjectif 12 mégapixels en plus du grand-angle classique. En clair comme les concurrents, donc c'est pas forcément nouveau. Hein. C'est vrai que c'est Samsung et Huawei, ça fait longtemps qu'ils ont déjà ça. Euh, L'iPhone 11, de, de son côté, gagne lui un objectif. Euh, il en a donc deux, alors que l'iPhone 10, on en avait qu'un seul de 12 millions de pixels. Euh, alors regardez de manière générale ce que ça permet de faire euh, dans une vue classique grand angle. On les a mis, on les a superposés les uns à côté des autres entre le, le 11, le 11 Pro, le 10S et le 10R. Et effectivement, alors sur le comme ça, premier abord, on ne sent pas vraiment une, une différence qui, ex, qui explose euh, aux yeux, euh, Didier. Mais c'est quand on zoome qu'on voit qu'il y a quand même un équilibre qui est beaucoup plus fin euh, que, euh, que lorsqu'on véritablement on zoome dans cette photo prise au grand angle. On, on garde les détails de la photo, euh, ce qui avait tendance à disparaître, qui était bleuré comme on disait sur les précédentes versions d'iOS. Oui, en fait, ce qui est bien cette année, c'est qu'on a une grande plage de focale, en fait. On, on est arrivé un petit peu au max. Alors tu me diras, on peut toujours faire un ultra ultra grand temps. On peut aller, on peut, on peut faire des zooms 5 fois, 10 fois. Mais effectivement, je pense qu'on a l'usage en fait commun des gens. Si tu, si tu veux faire des photos aussi bien de paysages, de portraits, euh, voilà, tu veux tu veux tu veux un petit peu faire euh, effectivement le zoom sur, un, sur quelque chose de plus précis. Puis là voilà, le, tu, tu, tu gagnes un petit peu en ouverture cette année, donc ton zoom est de meilleure qualité. Donc ils, ils sont arrivés à quelque chose de très homogène. Et je pense que c'est là-dessus qu'Apple les bons, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas juste avec des fonctions, ils arrivent avec des fonctions euh, qui marchent, qui sont homogènes qui sont testés. Ouais, le HDR il ne faisait pas forcément l'unanimité, hein, le, le, ce qui permettait d'améliorer le rendu des photos les années précédentes, ils ont vraiment fait un pas en avant avec le, le Smart HDR euh, et on en a l'illustration hein, euh, et c'est ce qui explique que lorsqu'on zoome dans la photo on a une meilleure qualité d'image. Là c'est vraiment euh, à la fois le, les qualités optiques de l'appareil photo mais au-delà également les qualités du, du traitement logiciel et la puissance euh, de la puce euh, bionique. Euh, mm. 13, à 13 de, de, de du nouvel iPhone, euh, mm. Laurent. Dans les usages, oui tout à fait, dans les usages et je, je suis, suis d'accord avec, avec Didier, c'est finalement, aujourd'hui tu te rends compte sur le marché qu'il existe des téléphones qui sortent avec des capteurs 48 mégapixels. Évidemment, on a 3x12. Euh, Ils il ne s'additionnent pas. Ce n'est pas parce que, as 3 x 12 que tu as 3x12 que tu aurais finalement 36 mégapixels pour prendre une seule photo. Je vois deux choses intéressantes. Une fois encore, Apple dit euh, c'est pas la peine d'avoir le meilleur capteur, euh, c'est euh, tout ce qu'on va mettre autour. Ce qu'ils mettent autour, c'est une meilleure utilisation de ces capteurs donc avec euh, du post-processing euh, euh, automatique hein, et, porté par la puce euh, avec ce fameux Neural Engine qui est euh, incorporé dedans la deuxième chose qui est intéressante c'est que dans l'usage et on en parlait avec Didier avant l'émission, euh, le passage d'un objectif à l'autre il y a une espèce de souplesse dans l'enchaînement des objectifs qui donne l'impression que finalement tu n'as qu'un seul objectif que, que, que tu arrives à gérer et ça c'est plutôt pas mal quoi. Et ce qui est plutôt sympa aussi c'est que l'interface, euh, peut-être en parlait avec Cédric, puisqu'il n'a pas eu son mot à dire sur l'appareil la, la, la photo, c'est que l'interface est aussi élargie. Euh, c'est quand même beaucoup plus agréable également pour prendre la photo. Euh, on n'est plus dans un carré euh, 4 tiers comme auparavant, Cédric. Bah en fait, à cette, 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 cette fonction d'overscan où tu peux prendre la photo telle qu'elle est cadrée normalement, ou alors tu peux lui demander aussi, euh, même après coup, d'aller détailler ce qu'il y avait sur les côtés, en gros, ce qu'il y avait sur les côtés du capteur et qui aurait été croppé dans une, dans une photo normale. Donc, euh, c'est intéressant. Est-ce que ce n'est pas un peu décontenant Ça fait partie de ces choses auxquelles il va falloir s'habituer au début. Des nouveaux gestes. Ça, marche, ça marche aussi pour la vidéo euh, non, non, il y a, y, a y a des choses à faire. Et puis, c'est vrai qu'ils ont quand même poussé. Tu vois que les capteurs, que les, que les caméras ont grandi, les capteurs probablement aussi, et que tu as gagné aussi en sensibilité. Enfin, il y a, y a plein de choses sur lesquelles on gagne, euh, sans parler de, des, des, des modes de nuit et des modes, tu vois, pour les, pour les scènes sombres dont tu vas probablement nous parler. Ouais, la semaine dernière, on va parler de, de, du son, mais revenons à. Juste un mot sur le Smart HDR. Euh, la semaine dernière, lors de la keynote, Didier, tu n'étais pas avec nous, mais, euh, mais tu suivais ça à distance. Euh, les responsables d'Apple ont beaucoup insisté sur ce mode-là, sur ces systèmes de prise de, de vue. En fait, c'était déjà le cas l'année dernière. Il y a plusieurs photos qui sont prises et euh, après iOS fait un habile mixage et traité par la puissance de la puce. Là, il y a encore plus de photos qui sont prises. Comment ça marche concrètement Mais c'est essentiel. Et d'ailleurs, quand tu as des réflexes aujourd'hui, tu vois vraiment la différence avec les smartphones. Eux n'ont aucune puissance de calcul par rapport au téléphone. Et Apple peut se permettre de, de comme ça, de, de, bah, je ne sais plus combien il y a de clichés maximum avec des expositions très différentes. Il faut quand même du hardware qui suit parce que si tu prends des ah, expositions. Apple nous expliquer aujourd'hui qu'en fait, qu y avait, ça dépendait du nombre de photos. Il n'y en a pas forcément 4 ou 11 ou 12. Ça dépend de. de... De, du besoin de, de traitement et de la qualité de la photo, de la lumière, etc. Exactement. Mais il faut, il faut quand même de, de, voilà, des, des, des bons capteurs qui soient capables de monter un petit peu dans les ISO. Là, cette année, ils montent un petit peu. Il faut qu'ils puissent prendre des prises de vue euh, très, très rapidement. Uh, par exemple, sur les gros réflexes, euh, des fois c'est un petit peu plus lent, par exemple. Donc là, tu as 10 photos, il y en a qui sont surexposées, sous exposées Et à la fin, en plus, tu as de l'IA qui se rajoute là-dessus. Euh, donc euh, en, en un dixième de seconde, tu arrives à faire quelque chose que si tu voulais le faire avec un gros boîtier, bah, il faudrait prendre plein de photos, il faudrait passer sur ton ordinateur. Et c'est vraiment ça toute la prouesse d'avoir ça dans, dans sa poche. Et moi, presque, j'aimerais bien tu vois qu'Apple sorte un gros boîtier réflexe avec que de la photo. Et je me dis, avec le savoir-faire qu'ils ont, avec les puces qu'ils ont, ils pourraient faire quelque chose d'assez exceptionnel. Ouais. C'est en fait. même étonnant, c'est vrai que les fabricants de, de réflexes ne s'intéressent pas plus à. à à ce type d'application, c'est vraiment applicatif pour améliorer le rendu de leur. Et euh, de ils leur le appareil. font, mais la ils le font, mais la promesse est pas forcément le est pas forcément la même, c'est-à-dire que là, par exemple, on va plus te faire des promesses en termes de comment dire euh, de de fidélité, de te donner du raw pour aller te permettre toi après. De développer tes photos sur ton logiciel favori, etc. Donc, euh, mais de fait, je pense qu'à un moment, il va falloir aussi qu'ils s'y mettent parce que on le voit bien. Hein, C'est-à-dire qu'on s'éloigne de la photo et on se, on se rapproche de l'informatique. C'est ce que les Anglo-Saxons appellent computational photography. Nous, on n'a pas de, de bons mots pour ça. C'est-à-dire la, 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 photographie informatique en clair. Euh, maintenant, 95% de ce que, de ce que tu vois dans un cliché, euh, c'est pas l'appareil photo qui l'a fait. Euh, ben bah non, c'est plutôt c'est plutôt la puce qui va derrière et, et là c'est terriblement évident sur cette génération là. Et, euh, oui, on dit, on dit souvent que Tesla c'est un ordinateur avec quatre roues et euh, je suis assez d'accord avec, avec ce que dit Cédric. Hein. Euh, c'est euh, on est vraiment dans on est vraiment dans euh, dans la situation aujourd'hui, finalement, ce n'est plus un appareil photo, c'est un ordinateur qui est doté de capteurs. Et ça fait toute la différence. On sait que l'iPhone était toujours en retard, Didier, dès que la lumière avait tendance à baisser. Que dire en mode nuit, c'était certainement l'un des, des moins bons comparé aux meilleurs téléphones sur Android, que ce soit le Samsung ou le Huawei. Euh, là, il y a vraiment un gap qui a été franchi. Alors, on va être honnête, on a, on a reçu tout juste les iPhones, donc on n'a pas pu ferrer. Et les de photos comme nos confrères américains qui l'ont depuis plus d'une semaine, voire dix jours maintenant. Euh, mais ils sont unanimes pour dire qu'il y a, un, il y a un, un, un saut énorme qui a été fait en termes de qualité. Euh, regardez ces images de, euh, de nuit. Hein. Euh, D'abord, il s'active automatiquement, donc c'est assez... Euh, il n'y a rien à faire. Euh, il adapte automatiquement l'ouverture et ça marche Vachement bien. Moi, j'étais vraiment agréablement vraiment, vraiment surpris, Didier. Je n'attendais pas Apple revenir aussi bien sur ce, sur ce créneau-là du, du mode sombre, du mode nuit, du mode de, de, quand la lumière venait à baisser, parce que c'était historiquement son talent d'achille. Oui, mais c'est même étonnant qu'ils n'aient pas fait ça plus tôt. Enfin, il, il, Apple était quand même leader sur le, la photo de smartphone jusqu'à peu près à l'iPhone 4, 4S. Et après, ils sont fait complètement dépasser. Ça ne les, on a l'impression que ça les intéressait plus, alors que c'est quand même une fonction phare du téléphone. Et c'est vrai que ce mode nuit, enfin tout le monde a fait des photos de soirée où euh, tu te balades un petit peu à Paris là le soir et euh, même le 16, qui était un peu meilleur l'an dernier on était vraiment très très loin des modes nuit alors le mode nuit ça combine beaucoup de choses hein. c'est effectivement euh, de la puissance CPU c'est quand même de la qualité hardware il faut quand même des bonnes lentilles, il faut de l'ouverture il faut de la montée en ISO, il faut quand même beaucoup de choses pour arriver à faire ça, mais c'est vrai que c'est impressionnant avec un petit téléphone là en quelques secondes d'arriver à avoir des clichés et même très détaillés parce que par rapport à la concurrence il euh, y, y a justement des américains là, qui ont un petit peu tous les modèles chez Huawei etc. qui ont fait des comparatifs et tu vois que quand tu, quand tu regardes de très près ces photos qui sont quand même un petit peu moins détaillées il y a un petit peu plus de bruit, on mmh. essaye d'affiner de, de, voilà, un peu la photo après par traitement, mais euh, Apple a pour l'instant les, les meilleurs rendus face aux pixels, face vraiment au leader du marché, et ça c'est un bon signal, alors ils arrivent forcément après, voilà, ils ont un petit peu d'avance aussi, oui, mais il euh, ils arrivent agrères, avec voilà. un très bon produit. Voilà. S'ils avaient, avaient fait vraiment quelque chose d'un petit peu en dessous, ce se serait dit, bon, on attend encore les tests de DXO, hein, ça va arriver, mais, euh, mais c'est bon, voilà. assez impressionnant quand même. Euh, Cédric, on sait que euh, notamment le Samsung ou le Huawei avec la photo de la Lune, ce qui était assez impressionnant lors, lors de la présentation, du Huawei il y a quelques mois, euh, bah, tiré à boulet rouge sur Apple et avait pris une vraie avance. Euh, là, effectivement, lorsqu'on regarde les tests de nos confrères américains, euh, il, il constate que les photos euh, de, des téléphones android sont plus lumineuses mais sont moins fidèles que la réalité finalement finalement on triche un peu du côté d'android par rapport au rendu final d'Apple de toute façon de toute façon tu triches dire que c'est euh, c'est ce que je disais tout à l'heure c'est une machine qui décide du look que qu aura ta photo à partir des informations de ces différents capteurs donc c'est pas euh, t'es pas juste en train de retranscrire euh, la lumière si tu veux. maintenant c'est 10% de lumière et 90% de silicium quoi euh, donc euh, donc forcément ça fait des choix c'est un peu de ça, souviens-toi à l'époque des pellicules où le Kodak tirait plus vers le rouge et le Fuji vers le bleu et le vert. Et euh, donc, euh, donc, oui, bien sûr, il y avait quand même énormément de triche. Moi, je me souviens des démos euh, du mode, des modes nuit sur les derniers Huawei. Alors, c'était de la triche utile parce que ça te permet de faire des clichés que déjà que ton œil ne pouvait pas comprendre dans le monde réel et euh, qui étaient absolument inespérés avant dans, dans le monde de la photo et dans le monde du smartphone. Mais euh, non, là, c'est bien qu'ils rattrapent leur. leur... C'est pas tant pour le mode nuit parce que tu vois ces Jolis reflets sur la rivière, machin, c'est pas un truc que tu vas faire tous les jours. Par contre, euh, ta fille qui souffle sur un gâteau d'anniversaire en contre-jour dans un salon mal éclairé, ça, ça va t'arriver de manière claire et c'est un cliché que tu as envie de, ré de réussir à tous les coups. Mais en général, par contre, nos confrères sont un peu moins emballés sur les qualités du grand angle en moyenne lumière. Mmh. On sait que là aussi, Apple avait tendance dès que la lumière commence à baisser à être moins performant. Alors, il y a une fonction magique euh, qu'on nous a promis qui devrait corriger la, la chose qui s'appelle Deep Fusion qui devrait arriver dans quelques semaines. On sait pas pourquoi elle est pas Disponible, euh, qui, est, qui est une amélioration du. Enfin, c'est un mi-chemin entre un Smart HDR, enfin voilà, c'est encore une fois une manière de prendre plusieurs photos et d'en tirer le meilleur, et on tire en tirant partie de la puissance de calcul de la puce A13 Bionic on, on, Donc, ce sera par épisode euh, la montée en puissance. Mmh. Euh, tant euh, qu'elle ne qu sort pas en même temps que AirPower, ça me va. Oui, malheureusement, AirPower, je pense que tu vas entendre euh, longtemps. Amélioration également du mode portrait. Là, encore une fois, on y reviendra plus en détail dans une prochaine émission. On aura vraiment le temps d'aller plus profondément dans les. Dans les Tests de photos. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le nouveau mode portrait éclairage IK Mono. Alors, ça, c'est sympa. C'est un filtre, en fait. Il hein, y a un traitement logiciel. On met du blanc derrière et c'est assez réussi, réussi sur une photo noir et blanc, Didier. Moi, j'ai beaucoup aimé. Oui, c'est pas mal. Et puis, si je dis pas de bêtises, maintenant, le mode portrait, tu, sur le pro, tu peux aussi le faire en, en, avec le, le 12 méga classique, quoi. Enfin, le, le grand angle normal. Pas uniquement. Donc, voilà, comme le, sur le 10R ouais. avant. Donc voilà, c'est effectivement, ils, ils améliorent ça euh, petit à petit euh, sur le sur le 11. On a aussi des améliorations avec les animaux là maintenant avec les, les objets, etc. Mais avant, on pouvait pas, par exemple, faire un faire un effet bokeh, un, bo un, 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 un effet, euh, bokeh avec un, un chat par exemple parce que c'était très difficile à découper par, par rapport à l'image. Euh, la caméra frontale progresse enfin, parce que c'était aussi, Apple était aussi à la traîne de ce côté-là, avec une caméra de 12 millions de pixels, la caméra TrueDef hein, qui sert également à FSID. Euh, les principales avancées sont les arrivées de deux modes. D'abord le Slowfiz, hein, qui qui permet aux jeunes filles de faire des ralentis avec leurs cheveux et ça je peux malheureusement je peux pas le faire hein, je suis désolé et je, 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 je suis, voilà vous voyez derrière moi oui. mais là c'est pas seulement avec les cheveux et puis moi ce que j'ai beaucoup aimé et qui manquait aussi et qui était vraiment une, une qualité de, des téléphones sur Android c'est le zoom arrière tout simplement lorsqu'on est à plusieurs on peut enfin reculer euh, là aussi on comprend pas pourquoi il l'avait pas mis plus tôt c'est ça semble un peu dingue Laurent Oui, oui encore une fois euh un usage qui n'avait pas été envisagé. Et dès que tu le, tu le fais, ce qui est, ce qui est énorme, c'est la façon dont ils le market. Quoi. Alors, ce du qui style. est très sympa, en fait, pour activer le, le grand angle, vous faites un, un selfie comme ça. Et pour activer le grand angle, c'est une bonne idée. Il suffit de, de faire pivoter le, le téléphone dans ce sens. Et voilà, ça c'est en termes d'ergonomie, ergo, c'est plutôt euh, bien euh, pensé. Euh, quid du mode vidéo Alors là, vraiment, moi, pour faire, les, pour faire ces podcasts, c'est quelque chose, on utilise énormément l'iPhone, et là, c'est vraiment la, la bonne surprise cette année. On peut utiliser les caméras, les trois caméras simultanément maintenant, c'est ça quasiment alors, on attend encore un peu les détails. Il faut que ça mmh. s'affine, tout ça, parce que... Voilà. Voilà, la démo de Filmic Pro, on nous l'a refaite aujourd'hui. Hein. Tu étais, Cédric, pas très loin. Euh, c'est bluffant, hein, cette démo de Filmic Pro. Alors, c'est une bêta, parce qu'elle n'est pas encore disponible à la vente. Il va falloir attendre... Ils n'ont pas précisé les dates de disponibilité de cette application Filmic. Il faut rappeler cette c'est une application de caméra professionnelle. Hein. Ça vaut une vingtaine d'euros. Mais c'est top si vous voulez faire de, de la vidéo professionnelle avec l'iPhone. Euh, mais là, en gros, l'idée, pour rappeler la, la démo de la semaine dernière, Didier, on peut... Euh, euh, zapper du, du, euh, du grand angle au, au télé, voire euh, euh, revenir sur le, 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 la caméra frontale pour filmer le journaliste, pour faire du podcast, c'est du pain béni. Bon, sur Android, ça existait depuis un petit moment. Oui, hein, sur Samsung, Samsung il faisait, voilà, exactement ouais. Ils faisaient souvent, c'était la caméra frontale plus la caméra arrière. Alors, il faut quand même encore préciser une nouvelle fois que quand tu filmes en 4K à 60 images secondes, même dans les gros boîtiers pro, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables d'endurer ça, hein, de, de simplement enregistrer avec suffisamment de détails. Et d'enregistrer déjà deux flux 4K à 60 images, c'est déjà compliqué. Et et là, alors, les trois, on ne sait pas s'ils sont euh, full ah, résolution. bionique, ça Voilà, y aller. Moi, je suis pas sûr. Je pense qu'on va être en soit en 30 images, tu vois, soit en 1080 60 images. Je pense qu'ils ont dit hein, qu'il y avait des compromis qui, qui ont ouais. été faits. Et aujourd'hui, d'ailleurs, sur le 16, tu peux pas, quand tu filmes, tu peux pas changer de capteur. Et je pense que c'est lié à ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la puissance pour non, enregistrer les deux flux en même temps euh, et faire le switch. En fait. Apple a quand même annoncé euh, que si, cette si, fonction attends, ça, Ouais, oui, genre, alors. C'est je, je Parce que ça, je, je le fais préciser très, très clairement. Euh, dans Filmic, tu vas donc pouvoir avoir un preview de tes quatre caméras en même temps. Là-dessus, tu vas pouvoir être. en choisir deux. deux. Tu pourras choisir d'en incruster une dans l'autre, un picture-in-picture, picture, ou alors d'enregistrer vraiment deux flux distincts complets. Oui. Et, euh, et, et, et bonne nouvelle aussi, c'est que cette fonction de, de prise de vue multicaméra, on pourra l'avoir sur le 10S également. Il y aura une mise à jour qui, qui va être prévue, là, mais là, là aussi il y aura peut-être des limitations dues au processeur. Oui, oui voilà. voilà. Ouais, euh, il faut bien, bien comprendre, hein, c'est une question de bande passante, des capacités de stockage. Hein. Donc c'est donc effectivement si c'est sur le rendu à l'écran d'avoir les quatre flux, tu peux les réduire en plus hein, tu fonction sur la taille de ton écran. Mmh. Et par contre d'être de la capacité déjà d'en en enregistrer deux, c'est ça c'est ça c'est phénoménal. Je crois. Mmh. On a euh, on n'a pas parlé du, du téléobjectif du zoom. On a une question euh, concernant l'iPhone 11 Pro parce que lui il en est équipé contrairement à l'iPhone 11. Euh, on a une remarque sur Twitter de Christophe Aigron, je vous la lis, euh, alias C. Aigron sur Twitter. Je l'achète pour son blog photo, l'iPhone 11 Pro. C'est donc que j'y vois mon intérêt. Cependant, j'aurais bien aimé un zoom un peu plus important. C'est du x4, hein. c'est ça, Cédric Non, mais c'est x2 si tu pars du grand angle. Mais si tu pars du très grand angle, ça fait un x4. C'est pour ça que les gens. Ah, euh, de, de, voilà. Exactement. Merci de préciser, ah. Laurent il euh, y a une chose qui est intéressante, on n'en a pas du tout parlé tout à l'heure sur le sur le design, c'est que euh, la différence pour moi, euh, au-delà des 0,4 mm d'épaisseur de différence, c'est que l'ensemble le, le, des capteurs, donc c'est-à-dire les trois capteurs plus euh, la prise micro, enfin le, la partie micro, me semble-t-il, hein, tout à l'heure, plus l'éclairage, sont quand même bien moins imposants en dépassement qu'ils ne l'étaient sur le 10 et le dix Ouais. Donc c'est donc du coup euh, là il y a certainement une progression des capteurs. On pouvait imaginer euh, s'il si, y a de l'optique que ce soit deux ou quatre, quoi qu'il en soit, euh, c'est le travail qui a été fait là-dessus est intéressant parce que ils n'ont pas continué à augmenter euh, la partie mécanique liée à l'épaisseur. Et moi, ce qui m'a le plus euh, marqué lorsqu'on a testé la, le mode vidéo, c'est qu'il adapte automatiquement le, le micro. Euh, et la, 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 la puissance de captation du micro, la euh, et la distance de, de captation, si vous êtes en grand angle, eh bien, il, la, la voix va être un peu plus faible, hein, le micro va être plus environnant. Si vous êtes en, au télé, il va, il va essayer de, de prendre la, la voix beaucoup plus loin, c'est assez, assez remarquable. Voilà pour les fonctions caméra et d'appareil photo en général. On va revenir euh, sur les autres avancées, je pense à l'écran, à Face ID, aux performances et à l'autonomie, c'est vraiment la bonne nouvelle pour euh, cette, ce nouvel iPhone. Mais place tout d'abord au busomètre, notre rubrique dédiée aux rumeurs et infos qui ont le plus plus buzzé cette semaine. Didier, quelles sont les rumeurs qui ont le plus buzzé du côté de Mac Forever cette semaine Rumeur ou info d'ailleurs, il n'y a pas que des rumeurs. Alors, on en parlait tout à l'heure justement des ventes de euh, l'iPhone 11. Alors Bon, c'est toujours très difficile d'avoir des chiffres précis. Puis Apple les communique plus du tout hein, les chiffres, les chiffres de vente, surtout sur les premiers week-ends. Mais l'iPhone 11 Pro se vendrait plutôt bien, apparemment. Voilà. Ouais, il, y aurait, il y aurait un meilleur démarrage que l'année dernière. Le, le signe qu'on a souvent, c'est un peu les ruptures de stock. Euh, tu vois, voilà, quand, quand la date commence en à cas être le dépassée. Le vert se déma démarre bien <laughs> parce qu'il y a de <laughs> l'attente sur le modèle vert. Vous l'aurez bien compris. Deuxième rumeur. Alors, la, la deuxième rumeur, c'est plus qu'une rumeur, c'est Apple Arcade donc, qui a débarqué en test. Hein, je pense que c'était important d'en parler cette semaine. Donc, pour euh, 4,99€, vous pouvez tester donc tous les jeux d'Apple Arcade et il y a un mois gratuit. Donc, Par voilà, fait. on peut tester pendant un mois. Alors, la condition aujourd'hui, c'est d'être développeur, d'avoir les bêta ou, ou au moins d'être inscrit au programme de bêta test. Je et je vous je avez accès assez facilement. Hein, nous, on l'a tous eu à l'accès euh, sans problème. Et c'est vrai qu'il y a des bons jeux. Troisième rumeur, Didier. Alors, euh, on parlait de la charge inversée. On en, en a un petit peu juste après. Mais et où est passée la charge inversée Alors, euh, euh... apparemment, elle serait là. Mais pas là vraiment. Voilà, Apple l'aurait peut-être annulé euh, un peu. Elle s'est fait air-poweriser. C'est comme, comme le NFC au début. C'est <laughs> voilà. là, est là mais pas, là. pas pour vous. Mais peut-être qu'ils ont eu des contraintes techniques. Voilà, on ne sait jamais vraiment. Mais... Oui, ils la garde pour l'année prochaine. Alors, il se dit qu'Apple n'aurait pas été satisfait des performances de ce mode de charge. Il euh, y a Sony Dixon euh, qui dit que la marque, la marque à la pomme aurait désactivé le système de façon logicielle. Ce qui voudrait dire qu'on pourrait l'activer lorsqu'il serait satisfait du rendu. Euh, il faudrait l'ouvrir hein. il faudrait que euh, des, euh, des blogueurs ou euh, nos amis d'aide-moi qui ouvrent iFixit ouvrent le le, le téléphone, donc ça va être. Après, euh... c'est dur à voir, hein, parce que c'est en fait c'est toujours deux bobines qui se regardent et puis qui, voilà, ouais. qui balancent du courant dans un sens ou dans l'autre, mais c'est les contrôleurs qui, à l'intérieur, est-ce qu'ils sont capables ou pas de détecter ça Mais ça, c'est pas forcément facile à voir. Euh, Alors, posé que 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 la, bobine, la bobine existe, hein. elle, elle, elle est là pour charger l'iPhone. Charge. Ouais. Donc la question, c'est est-ce euh, que c'est deux bobines séparées Est-ce que ça peut être une bobine qui est euh, utilisée dans un sens et dans l'autre Est-ce que ça peut être. Il y a plein de subtilités. Donc il y a un bloc qu'il a, qui a démonté, mais il n'a pas, pas parlé de, 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 de cette fonction-là. Quatrième rumeur, Didier alors, pas de nouvelles pour l'instant d'un nouvel iPad Pro, hein, parce que bon, celui qui est, qui est sorti l'an dernier est quand même toujours, toujours pas mal, mais on commence à voir des, des petits châssis sortir, notamment hein, avec un triple capteur photo. Ça me rappelle quelque chose. Mais je suis assez surpris de ça, puisque sur même l'iPad Pro, là, le dernier, par exemple, il n'y a plus de stabilisation optique. On a l'impression qu'ils ont mis un petit peu le haut là sur la partie photo. Donc, moi, je serais assez surpris quand même qu'ils reviennent avec trois capteurs ouais. sur ce type de produit. Même si on les utilise un petit peu pour scanner des documents, pour faire des photos en entreprise, etc. Sachant que Et là, la, la, la... optique, on ne l'a pas dit, mais c'est un manque sur le mode ultra grand angle en vidéo de, de l'iPhone. Voilà, ouais. l'iPhone 11 Pro. Euh n'a pas de sémination type mm. sur le grand, ultra grand temps, ce qui est dommage, oui. Ce qui est très intéressant, c'est, euh, je suis effectivement surpris moi aussi sur le pro, parce que je ne vois pas trop l'usage. En revanche, le nombre de touristes que tu vois dans, dans, dans des villes touristiques, et principalement Paris, hein, mais tu le vois partout dans le monde, qui se servent de leur iPad comme appareil photo euh, en visite. Alors c'est un... C'est écrit volez-moi. Non, avec, non souvent c'est un usage hybride. C'est-à-dire qu'il y a des notes, le guide, tout ce qui est a à faire dedans, ouais. mais tu vois le nombre de, de, de gens qui ont leur iPad et qui prennent des photos avec leur iPad. c'est c'est assez, assez impressionnant ouais, avec les nouvelles générations notamment les pros c'est beaucoup plus envisageable les années les pré les précédentes générations l'appareil photo mmh. c'est un petit peu le parent pauvre l'iPad euh, dernière humeur Didier oui on pouvait pas ne pas en parler avec Robert Iger j'espère que je prononce bien Bob qui, qui, voilà. Bob voilà qui, euh, qui quitte donc le conseil d'administration d'Apple puisqu'on rappelle qu'il est CEO de Disney donc voilà maintenant que Disney lance Disney Plus Apple, Apple TV Plus ça devient un petit peu compliqué pour lui d'être sur les deux tableaux bon c'est quelque chose d'assez classique il y avait un conflit intérêt, c'est la fin d'une longue histoire et belle histoire entre Apple et Disney euh, Cédric. C'est pas la fin hein, parce non, que ça change fin. pas le fait qu'ils soient actionnaires les uns des autres, qu'ils ont encore plein de choses qu'ils font ensemble mais c'est dire que Là tout à coup, euh, là où le divertissement devient quelque chose d'un vrai service plus stratégique pour Apple, c'est assez logique. que Bob Iger dise « "Bon, je ne vais, je vais pas vous déranger plus longtemps." <laughs> euh, je ne sais pas business. comment ça s'est passé. Apparemment, euh, voilà, mais euh, je crois que c'est Tim qui a dit que voilà, il adore Bob, que c'est super, que vraiment ils sont potes pour la vie et tout ça. Euh, mais euh, oui, le, mais le, le problème du conseil d'administration maintenant. Voilà. voilà, le problème du conseil d'administration, c'est que tu ne peux pas être dans le conflit d'intérêts. C'est pas possible. C'est un peu comme bah, Google qui était au conseil d'administration euh, au moment. De la conception d'Android il y a quelques années. Voilà, c'est ça, qui a dit Bon, bah, là, je pense que je vais vous laisser. C'est bon, plutôt coup, Steve qui euh, a dit voilà. Maintenant, tu vas nous laisser. <laughs> c'est pas bien. Ah, après, je... les détails. Bon, ouais. voilà. Non, mais ce qui. Est, euh, il faut rappeler que c'est pas Disney. C'est pas Apple qui est actionnaire de Disney. C'est euh, la famille Jobs, hein, qui est l'un des plus gros actionnaires privés. Ah de... oui, c'est vrai, as raison. Oui, Lorraine euh, Jobs-Powell. Powell, hein. John euh, Powell tu sais pas, Jobs, qui est suite au rachat de Pixar. tout à fait. Par Disney est devenue. Mais bon, elle n'est jamais très loin d'Apple également. Un petit mot. À propos de notre sponsor euh, cette semaine, euh, Rhino Shield, on vous l'a dit, vous l'avez compris, l'iPhone 11 est arrivé. Mais les coques pour les protéger aussi, elles sont également là, déjà disponibles chez Rhino Shield, euh, qui vous propose une gamme complète et innovante. Les deux modèles de cette marque, euh, c'est tout d'abord une protection de haut vol qui surpasse les standards militaires, s'il vous plaît. Et ensuite, la possibilité de personnaliser votre coque, c'est très pratique. Vous avez le choix entre plus de 300 designs. Vous pouvez changer les boutons, le verso de la coque, mettre une, une, une protection supplémentaire. Comme une vitre en plastique, c'est assez pratique. Bref, ou mettre des carrément des petits autocollants pour protéger. Bref, avec Rhino Shield, vous disposez vraiment de la coque qui vous ressemble. Retour à l'iPhone 11 et 11 Pro, on va s'attarder un instant sur son écran et sur Face ID. Écran et encoche, pas de grands changements en apparence. Euh, Didier, la différence entre l'iPhone 11 Pro et l'iPhone et 11, euh, bah, c'est pas seulement que l'objectif, on l'a bien compris, c'est la taille de l'écran. Il y a un modèle, on l'a pas ici, 5,8 pouces, non je ne l'ai pas là, 5,8 pouces euh, qui est donc plus petit que l'iPhone 11 en 11 Pro. Et vous avez un modèle 6,5 pouces, alors que l'iPhone 11 fait 6,1 pouces. Voilà, j'espère que je n'ai rien. Je ne me suis pas trompé. Euh, la principale différence, c'est que vous avez un écran OLED sur de meilleure qualité. Les noirs sont vraiment noirs euh, sur l'iPhone 11 Pro, alors que c'est un écran LCD. Mais franchement, si on vient de l'iPhone 7 ou l'iPhone 6, quand on passe à l'iPhone 11 tout court, c'est un énorme progrès d'avoir du bord à bord. Hein. Voilà, tout, tout dépend d'où on vient effectivement, parce que moi j'utilise un petit peu les deux, là, le 10R et le 10S. Et c'est vrai que quand tu passes de l'un à l'autre, euh, bon, tu sens un petit peu que les noirs sont un petit peu gris sur le 10R. Tu vois aussi, bah, quand tu regardes simplement le nom des applications, tu vois, qu y a un, tu vois beaucoup plus les pixels. Mais voilà, pas, je dirais que c'est un moindre mal par rapport à tout ce que ça t'apporte pour, pour le prix, par rapport à la différence de prix. Mais c'est vrai que, voilà, si tu regardes sur Android, dans ces prix-là, tu as quand même de l'OLED. Donc c'est un petit peu frustrant aussi de voir que cet aspect-là n'a pas, pas évolué chez Apple, qu'ils n'ont même pas rajouté un petit peu de densité de pixels, par exemple. Ça aurait ouais. pu être sympa cette année. Ils ont juste précisé que le contraste avait été amélioré. Hein. Euh, avec un ratio de 2 millions pour 1, c'est ça? Euh, et une miosité qui grimpe avec un maximum de 1200 euh, euh, nits. Ce qui est par contre plus agréable, c'est qu'il consommerait moins, parce qu'on ne peut pas vraiment. Le quantifier, moins d'énergie, 15% moins, de, moins gourmand, euh, ça aura un impact sur l'autonomie certainement. Ce ouais, qui est intéressant, parce que, ce que disait Didier tout à l'heure, c'est que si on fait le ratio entre euh, la quantité de l'épaisseur des 0,4 mm, combien ça faisait en proportion euh, de batteries supplémentaires, donc en prenant euh, euh, les chiffres qui ont été annoncés, euh, le nombre de milliampères, finalement, le gain est est corrélé, alors on sait que c'est pas linéaire, hein, mais est corrélé à cette progression. Donc ça veut dire que si l'écran consomme 15% de moins, ça fait plus d'énergie à utiliser ailleurs. Mmh. Puisque d'un côté... Euh, voilà. oui, bien sûr. Bon, enfin, le, le gain en qualité euh, qu'on nous promet n'est pas forcément perceptible. Tu nous disais en amont de cette émission, euh, Cédric, que tu trouvais que ça, ça pétait plus. Euh, il faut vraiment mettre une vidéo en HDR pour vraiment sentir la différence. Et encore, il faut avoir de bons yeux, hein, Didier. Euh, Cédric, pardon. <laughs> non, j'ai essayé, moi, j'ai essayé avec des vidéos en HDR sur Netflix, etc. Et de fait, c'est... C'est très beau, hein. Ouais. Euh, en fait, le seul regret à ta couche, je dis, bon, je vais aller regarder ça sur ma télé parce que ce sera quand même mieux, mais... mais euh... Euh, mais non, non, la, la, la qualité, le piqué, j'ai regardé une scène, de, une scène de The Crown, de, de Crown sur Netflix où on, là on sait que c'est du 4K, du HDR et en plus que c'est magnifiquement filmé. Euh, le, le, la profondeur des détails, enfin c'est euh, euh, là tout à coup, tu sais, c'était lunettes que tu vérifies en disant non, finalement c'est peut-être celle-là que je vais upgrader. Euh, non, non, la, la qualité de l'écran, elle est remarquable. Euh, le regret, par contre, Didier, et ça on l'attendait, c'était une annonce qui avait été faite a, par les rumeurs, dévoilées par les rumeurs depuis quelques mois, la disparition de 3D Touch au profit de Haptic Touch, je ne pleure pas, euh, Laurent, euh, qui équipait déjà le 10R. Est-ce qu'on peut comprendre cette, euh, cette raison moi je voulais pas y croire, mais je pense qu'on doit être trop geek tu vois, pour utiliser le petit curseur. En fait, que, quand, tu, tu, quand tu prends un 10R, tu vois tout de suite que tu utilises le curseur 50 fois par jour. Donc voilà, reprendre l'habitude d'appuyer sur la barre espace pour avoir ton curseur, d'attendre un petit peu plus longtemps sur la lampe torche. Enfin, il y a plein de petits gestes comme ça qu'on fait au quotidien. Mais je pense que ce n'est pas assez grand public pour que ça, ça mérite effectivement d'être sur un, un modèle pro. Mais bon, revenir en arrière, tu vois, sur un modèle pro, sur des prix comme ça, je, je, je Là, suis étonné. Là, Alors, une fois, c'est peut-être la, la chasse à l'épaisseur qui permet de faire un peu plus de space pour, pour la batterie. 4 heures ou Aptic Touch ou euh, 3D Touch, euh, ils ont choisi la batterie, c'est peut-être pas un mauvais choix par rapport à l'usage, effectivement. suis grand fan, moi, de 3D Touch, hein, donc. Euh moi bon, ça va manquer. Je, je dirais ça à l'usage ouais, et on l'a dit on, on préambule, en préambule l'encoche est toujours là bien sûr elle prend beaucoup de place depuis trois ans maintenant il y a un sentiment de vraiment déjà vu et c'est peut-être ce qui fait que les gens préfèrent attendre l'année prochaine notamment quand on le compare au, au Note 10 Laurent, et là on a fait un effet, effet waouh, on n'a pas le 3D Touch sur le, sur le Samsung euh, mais, euh, mais euh, on, en termes de design c'est différenciant c'est différent, là les designers de, de Samsung ont réussi leur pari, ils ont pour une fois, pas essayer de copier hein, mmh. ce que faisait Apple. Ah ouais, ils ont, si, si, ils ont copié, mais par contre, ils ont derrière, ils ont amélioré quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont, ils ont critiqué l'encoche, puis finalement, ils ont fait l'encoche, mais ils ont réduit drastiquement l'encoche. Après, euh, je me suis toujours posé la question de finalement, est-ce que l'encoche était un problème ou pas un problème. Euh, Hum, tu vois, c'est euh, si tu supprimes l'encoche, il faut que tu supprimes tout le reste, c'est-à-dire tu supprimes la partie euh, au parleur la partie. Tu vois, c'est pour ne plus rien, pour ne plus rien avoir. Quoi. Et donc du coup, tu as vraiment un écran bord à bord euh, de, de, qui va de, de bout en bout, à la fois en, en, en portrait et, et en paysage. Finalement, juste euh, pff, cette encoche. Je ne sais pas si, si elle est gênante cette encoche. J'ai l'impression que c'est une discussion, c'est un peu le, tu vois, le, le sujet qui revient toujours. Ah, c'est gênant quand on regarde un film, par exemple. C'est vrai que, mais après, quand c'est vraiment immersif, ouais, quand tu regardes un film, tu tiens, tu hum. as tendance à te ton téléphone, ouais, euh, la qui le regarde sur sa télé. Ouais, alors, la force quand même de, de, de l'iPhone, c'est que c'est un vrai Face ID, une vraie reconnaissance faciale sécurisée, alors qu'on peut la craquer. Hein, c'est la concurrence notamment sur Android, s'il suffit de mettre une photo en face et là, généralement, vous dérouillez euh, le téléphone sous Android. Euh, Apple a annoncé un dévoyage plus rapide et surtout plus euh, efficace. Alors là, j'ai fait l'essai rapidement, effectivement, quand je me mets comme ça sur le côté alors qu'auparavant il fallait vraiment que je fasse ça hein, pour pouvoir le déverrouiller. Là, là, sur le côté, je mets simplement ça et regardez, le petit cadenas s'est ouvert. Euh, voilà, ça c'était vraiment attendu, notamment lorsqu'on travaille... Alors, ce qu'on veut faire ça euh, en conduit et qu'on veut simplement changer d'application, lancer le, le GPS, c'est assez pratique, euh, Didier. Oui, mais non. Moi, j'attendais le Face ID comme ça, voilà. Ah, je, je le voulais Père quand, quand je regarde YouTube euh, et que je appuie euh, que tu sur voilà, sur mon, sur mon bouton. Ouais, et on ils l'ont sur l'iPad. Ils l'ont sur l'iPad. En fait, et ça marche plutôt bien. Allez, pour... À l'exception de, de la, vitesse, hein. ouais. mais ça marche plutôt bien. Allez, pour conclure cette émission, on va savoir si oui ou non, l'iPhone 11 et 11 Pro sont les smartphones les plus puissants du marché. Plus puissant et meilleure autonomie, c'est la promesse euh, d'Apple. En, en préambule, on avait une question, alors j'essaie de la retrouver. Je me souviens de Ma oh, Léa, 33 à propos des puces. Les puces A13 de l'iPhone 11 et 11 Pro sont-elles identiques avec les mêmes capacités C'est vrai qu'on pouvait avoir un doute en voyant la keynote la semaine dernière. Je pense à la démonstration notamment qui avait été faite lors de la keynote concernant le 11 Pro Laurent. Oui. Merci de, me ah, passer la... ouais, merci de me passer la patate chaude. Non, mais c'est les mêmes et puces. Hein, qui ce sont sur... les mêmes puces. puisque quand on fait des badges, on s'aperçoit ouais, qu'ils sont très proches. Et donc, en fait, on se rend compte que c'est très proche, ce qu euh, qui est assez étonnant, euh, d'une part, parce que donc, on aurait pu imaginer qu'il y ait un écart entre pro, pas pro, hein, quand on en revient. Après, euh, en termes de rationalisation, euh, 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 ça peut avoir du sens. Le. Point encore toujours le même, c'est euh, quelle est la façon dont tu euh, libères la puissance de euh, ton processeur. Alors on se rappelle que c'est plusieurs processeurs, hein. c'est un CPU, c'est un GPU et c'est un Neural Engine. Donc euh, c'est on va dire trois types de processeurs différents qui cohabitent. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut très bien imaginer qu'on lui laisse faire plus de choses sur le pro euh, qu'on ne laisserait ne serait-ce que par plus de batterie, plus de choses. On ne euh, connaît pas encore véritablement, on a posé la question à peu, mais ils n'ont pas voulu nous répondre. La, <laughs> la, la, la RAM embarquée, c'est ça peut-être qui ferait la différence 4Go, 6Go, 8Go, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Pour euh, à la différence entre le, Pro et le, entre le 11 et le 11 Pro, il y a oui, peut-être plus de mémoire sur le. On pourrait imaginer aussi qu'on a besoin d'un peu plus de mémoire pour notamment tous les traitements vidéo avec mmh. le troisième capteur. Donc ouais. euh, voilà, ça, ça a du C'est un point à surveiller, on y reviendra dans notre grand test dans cette émission. On a quand même réalisé quelques benchmarks avant de, 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 de commencer cette émission. Regardez le, le test sur, Quick, euh, sur Geekbench 5, la dernière version. On a comparé d'abord euh, l'iPhone 11 Pro avec l'iPhone XS. Et sans surprise, alors qu'Apple annonçait 20% de puissance supplémentaire, ça se vérifie à peu près. Un score de 5467 en mono -cœur, 13 919 en multicœur pour l'iPhone 11 Pro, 4797 pour le XS en mono et 11 260 en multi. Le compute score pour tout ce qui est graphisme, l'iPhone 11 Pro est nettement devant aussi 6348 contre 4434 euh, au l'iPhone 16. Maintenant, comparé au reste des téléphones de la galaxie Android, le 11 Pro, donc 5467 est en tête. Largement, regardez les écarts par rapport au Galaxy Note 10, au Pixel 3 XL et au Huawei 30, 30 Pro. L'écart est énorme. Euh, J'ai du mal à, à le comprendre. Euh, 13910 en multi, 2624 en multi pour le Galaxy Note 10. Là, euh, alors je ne sais pas si c'est la stratégie d'Apple qui fait la différence parce qu'ils maîtrisent à la fois le logiciel et le hardware, mais l'écart le, le, se creuse d'année en année et les, les iPhones vraiment sont beaucoup plus puissants euh, que euh, que la concurrence, Didier. Bon, après, faut le voir, voilà, en application réelle, qu'est-ce que tu fais avec tes ouais. téléphones et où est-ce que tu le. Mais c'est vrai, oui, d que, voilà, dans les jeux, quand tu fais de la musique, il euh, y a effectivement des, des, des domaines où on le voit. Euh, ce qu'il faut comprendre, il y a eu pas mal d'articles très techniques là-dessus. C'est qu'Apple fait effectivement des très bonnes puces avec beaucoup de mémoire cache. C'est aussi des, des grosses puces. Enfin, euh, elles sont capables de, de monter dans les tours, de garder aussi leur, leur performance sur la durée. Et, euh, et c'est vrai que voilà, bon, on va pas rentrer dans, dans le détail, mais tu peux avoir la même architecture, mais pas du tout la même implémentation derrière. Et d'ailleurs, ils ont beaucoup de liberté pour implémenter leurs puces. Donc euh, voilà, ils ont effectivement les meilleures puces du marché. Quelque part, on a envie de dire, bah, c'est les plus chers, c'est un petit peu normal aussi. Ouais, et euh, également mode graphique, hein, pour le Campus Core, l'iPhone 11 Pro regarder nettement devant. Et, un écart énorme également avec le Galaxy Note, le Pixel 3 XL et le Huawei P30 Pro. En se disant ça, on va dire, tiens, l'iPhone, du coup, il est puissant, il va, il va bouffer de la batterie à non plus finir. Ben, bonne surprise également en termes d'autonomie. Apple a promis jusqu'à 5 heures d'autonomie en plus que le 11 Pro. En plus, pour le 11 Pro Max comparé au XS Max, 4 heures entre un 11 Pro et un XS et une heure de plus seulement. mais C'est quand même déjà pas mal d'autonomie entre un iPhone 11 comparé au XR. Là, encore une fois, on manque un petit peu de recul parce qu'on vient d'avoir les, les, les nouveaux uh, iPhones. L'autonomie est au rendez-vous. C'est la meilleure nouvelle. Je veux dire, qu'est-ce qu'on demande à un smartphone aujourd'hui On lui demande de l'autonomie et des bonnes photos. Donc, euh, là, ils, alors, ils ont pris euh, la liste des choses que les gens demandaient plutôt que de partir des idées qu'ils avaient eux pour se dire bon, et, et si tu veux, pour qu'ils fassent l'effort de, de rendre le téléphone un peu plus épais, de, tu vois, c'est quand même de toute façon, tu es toujours face à des compromis. Euh, ils ont choisi de faire ce compromis-là. Euh, J'imagine que c'est plus sensible sur le Pro que sur le, le Pro Max, mais euh, ouais, je gagnais 4 à 5 heures d'autonomie. Tous les jours. Non, sur euh, le Pro Max. Plus de non mais c'est ce que je... non mais oui mais ce que je veux dire c'est que c'est les, les, les gens qui avaient qui avaient ah, oui. avant. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire. Le, le 16 plutôt que le 16 Max, ça avait évidemment moins d'autonomie. Moi, sur le 16 Max, je n'ai jamais vraiment de, de vrai problème d'autonomie. Mais te dire que 4 à 5 heures de plus, c'est quand même c est, c est c est énorme. magnifique. C'est un saut sou. A priori, ça y est, tu vas arriver à tenir toute la ouais. journée, même quand tu es comme un fou sur ton téléphone. Ah, c'est très difficile hein, de, de faire un test d'autonomie. Euh, et, et, et personne a, Aucun de nos confrères n'a osé annoncer un chiffre officiel. Mais c'est des variantes entre. Euh, allez, entre. Euh, 12 heures pour le 11 Pro et 14 heures pour les uns et même je crois que les de verts sont montés jusqu'à 17 heures pour le 11 Pro max euh, donc c'est largement de quoi tenir la journée sachant que j'imagine qu'ils ont un usage un petit peu intensif comme nous on a justement une question euh, Didier euh, ou Laurent ici en plateau de Nico Tintin, euh, Tintin pardon alias Nico44Z sur Twitter comment expliquer une telle augmentation de l'autonomie est-ce que ça vient de la puce à 13 est-ce que ça vient de la batterie Bon, de toute façon, les batteries ont augmenté sensiblement, entre 5 et 20% apparemment. Donc voilà, il n'y a pas de secret. Hein. Plus, plus grosse est la batterie, plus meilleure est l'autonomie. Et d'ailleurs, sur Android, tu l'as bien compris, quand as des, tu as des gros appareils là comme ça, même ah, s'ils ont des gros écrans. C'est quoi ça actuellement C'est un gros Huawei, tu vois, Mate 20X, euh, 5G, tout ça. Et ben voilà, il y a des très grosses batteries là-dedans. Et ça, ça tient toute la journée, malgré le grand écran, malgré euh, effectivement la 5G, etc. Donc. Voilà, il n'y a pas de secret. J'ai trouvé un papier sur euh, Mac Forever qui parlait d'un euh, document qui était déposé par la Teneaha, qui est l'autorité de régulation chinoise, qui parle que l'iPhone 11 disposerait d'une batterie de 3110 mAh. Donc euh, ça, c'est ce qui permet de, 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 de faire... Euh, auto de autoriser la vente du, du produit en, en Chine. Et le iPhone 11 Pro, le 5,8 pouces, lui aurait 3046 mAh et l'iPhone 11 Pro Max, 3969 mAh. On va encore une fois attendre que nos amis d'iFixit ouvrent l'appareil pour en savoir un petit peu euh, plus. Mais c'est assez juste. On n'est pas forcément à 4 heures de plus, voire 5 heures de plus sur les 11 Pro, sur les tests. Mais il y a une vraie croissance et c'est la vraie euh, bonne surprise. Est-ce qu'on a gagné encore de la place Tu sais ce qu'on disait tout à l'heure avec la disparition du 3D Touch, certainement, qui a, qui a fait que la, la batterie a un petit peu euh, euh, grandi. Euh, juste un, un petit mot pour conclure. On a parlé de puce, on n'a pas parlé de de la puce euh, U1. Cédric, on, on, Apple t'a expliqué un petit peu les usages. Ce pas secret. Hein. Même non, si genre... non c'est une, une puce sans fil. C'est de, de l'ultra, comment on s'appelle Ultra, ultra wideband. Well ouais, well ouais. c'est ça. Alors aujourd'hui, le seul usage qu'ils ont décrit, <laughs> ça m'a fait sourire, euh, c'est par exemple quand tu fais un airdrop à quelqu'un, euh, s'il y a plusieurs iPhones dans la pièce ou autour de toi, euh, il va te les afficher euh, dans l'ordre où il les trouve. Là, tout à coup, il te les affichera par ordre de distance c'est-à-dire que les deux puces sur les dernières générations de téléphones vont permettre aux iPhones de se reconnaître etc euh, sachant ce que les gens font dans la vraie vie avec AirDrop dans le métro j'ai pas de... voilà euh, mais euh, j'imagine et j'espère et, et je pense qu'il y aura évidemment d'autres usages créatifs à la fois du côté d'Apple et du côté des, des développeurs d'applications tierces euh, pour je sais pas, de la synchronisation pour faire des trucs très rigolos mais euh, c'est curieux parce que J'imagine qu'ils ont d'autres idées derrière la tête, bien évidemment, parce que c'est pas un truc gratuit, tu vois, tu rajoutes toi une puce comme ça, tu changes ton design, tu etc. etc. Donc il doit y avoir des, des choses un petit peu plus renversantes, mais pour le coup dans les cartons. Et Et tu vois, Cédric, si tu, si tu connais la techno iBeacon, qui déployée un petit peu dans les aéroports, etc., ça permet de la, la micro-localisation, voilà, ça permet d'identifier ouais. des, des endroits. Mais par contre, on n'a jamais eu un radar de poche, dire d'arriver à pointer vraiment précisément sur quelque chose. Comme une boussole numérique. Et on pourrait imaginer beaucoup d'usages avec ça. Hum. Donc, euh, dans, que ce soit dans les musées ou quand tu perds tes affaires, tout simplement, tu vois, imagines que toutes tes affaires seraient taguées, tu pourrais savoir exactement où elles ouais. sont. Ce donc le WB permet une, une localisation beaucoup plus... Euh, un calcul de la beaucoup plus précise, hein, euh, elle calcule le temps de propagation des ondes de l'ordre de la et on peut vraiment localiser de l'ordre d'une dizaine de centimètres donc c'est beaucoup plus précis que le Bluetooth ou la géolocalisation avec le euh, le Wi-Fi alors tu parlais d'AirDrop bien sûr de Apple réalité tag. augmentée et bien sûr l'Apple Tag, tag ouais. Ouais. Ouais, ouais. qui est une rumeur récurrente un petit ouais, tag c'est marrant. Hein. Euh, marrant parce que ça revient ça revient à chaque fois il y a une petite information Ah, peut-être que ça pourrait euh, ça pourrait donner du sens ça pourrait, ça pourrait venir donner de la profondeur euh, à cette utilisation ouais. alors on a fait à peu près le tour on va, on va conclure avec le prix parce que c'est quand même un argument de, de force aujourd'hui savoir s'il faut acheter un iPhone ou pas vous allez voir que euh, nos, nos, nos préférences ne vont pas forcément en iPhone 11 Pro. Euh, un mot tout de même sur iOS 13. Euh, vous l'avez testé pour, euh, pour toi, Didier et Laurent, tout l'été. Mmh. Euh, la plupart des tests de l'iPhone 11, de ceux qui l'ont eu une semaine, disaient attention, il est très bien cet iPhone 11 Pro ou 11, ou 11 mais euh, iPhone, iOS 13 semble assez... Buggé, il redémarre par, 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 par intermittence. Est-ce que vous avez constaté la même chose Est-ce qu'il y a un risque pour que voilà, la bonne réputation de, de ce téléphone soit entachée par un iOS qui manquerait un petit peu de, de vigueur, de force et vigueur, comme euh, iOS 11, il y a deux ans, qui a été, euh, heureusement, remplacé par iOS 12. – Mais ils sont à la bourre, Olivier, il n'y a pas d'autre mot. Ils ont <laughs> été à la bourre, et c'est pour ça qu'il y a eu toutes ces versions, la iOS 13, la iOS 13.1, et euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bugs. Il y a aussi le Dark Mode, euh, on va le voir, hein, toutes les applis ne sont pas compatibles, il y a encore pas mal de bugs autour de ça. Et c'est vrai que c'est un système qui est encore très buggé, même dans les dernières versions. Donc, euh, donc ouais, il va falloir un petit peu de temps. Alors quand on achète l'iPhone, on n'a pas le choix, on ne peut pas revenir sur iOS 12, mais par contre, euh, voilà, tous les gens qui, qui, qui ont prévu hein, de faire l'upgrade, moi je leur déconseille pour l'instant. Attendez un petit peu, quelques ouais. semaines là que ça ne se, vous se stabilise. Ne vous précipitez pas pour iOS 13. Bien qu'il y ait des fonctions que... intéressantes, mais hyper intéressantes. Mais ne vous précipitez pas. Tu as constaté également des problèmes ouais, Énormément euh, sur tous les téléphones euh, sur lesquels j'étais. Paradoxalement, euh, l'iPadOS, OS hein, donc qui est vraiment nouveau est relativement stable alors attention hein, relativement stable c'est à dire qu'il ya euh, j'ai eu quelques quelques crashs avec quelques reboots mmh. quelques reboots avec la pomme euh, qui apparaît. ça reste non pas avec la pomme plutôt des soft reboots, c'est à dire juste la, la, la molette qui tourne qui tourne qui tourne et puis à un moment donné tu mmh. te retrouves sur la page de sur la page d'authentification avec que tu tapes ton soit Face ID soit alors, comme il vient de rebooter Face ID ne fonctionne pas il te le rappelle et donc tu te trouves à taper ton code euh, attention, hein, ça restait jusqu'à euh, jusqu vendredi, ça reste une version bêta, c'est-à-dire que ça reste une version pour les développeurs, ça reste... là où par contre on peut se poser la question, c'est que les boîtes euh, sont chipées. Hein, donc euh, il y a quelques millions d'iPhone qui euh, sont dans la nature, hein, qui sont en train d'être stockés dans les Apple Store ouais. euh, et euh, d'être préparés chez les TNT, les UPS, les DHL pour être livrés aux, aux, aux personnes qui les ont déjà commandées, et celles-là, elles ont un 13 dedans. Ouais. Donc euh, bien sûr, là, ça sera une mise à jour, hein, possiblement iOS 13 Point 1. 1. Déjà, je, je crois est déjà en bêta 2 beta. ou bêta 3, hein, mmh. je ne mmh. sais plus. Euh, en sachant qu'il y a eu, je ne sais pas, 6, 7, 8, 9 bêta d'iOS. De, 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 je crois mmh. que je n'avais jamais vu un iOS avec autant de bêta. Et euh, Catalina, c'est pareil, hein. euh, donc, euh, sur, sur Mac. Donc bon, écoute, ouais, ils sont là-bas. Ils l'ont ils sont là déjà fait par le passé. Hein. Ouais. Ce n'est pas... pas un problème qui a voilà, été réglé au fil des années. Allez, dernière euh, réponse auxquelles on va essayer d'apporter de, de, ce soir pour conclure cette émission, c'est de trouver le modèle qui offre le meilleur rapport qualité tes prix. Le prix, les prix. Regardez euh, ce slide pour les iPhone 11. Le ticket d'entrée de l'iPhone 11, cette année, c'est pour la version 64 gigas, c'est 809 euros. Puis ça monte à 859 et 919 pour les 128 et 256. Pour les 11 Pro et les 11 Pro Max, euh, le ticket d'entrée est à 1159. Et pour le Pro Max, à 1259. Il y a en, en clair, euh, regardez, 350 euros d'écart entre le Pro euh, et le 11, et 450 euros d'écart entre le 11 et le Pro Max. Monsieur Fort, de toutes ces infos qu'on a essayé de vous donner ce soir, de vous les compiler si rapidement après la, la réception de ces iPhones, quel modèle d'iPhone vous choisirez au terme de cette émission On commence avec Didier. Et ben moi, je te dirais de choisir les modèles d'avant. Voilà. Acheter un 10S, un 10S Max, parce qu'il euh, y en a en stock, euh, chez les revendeurs notamment. Et euh, les prix vont chuter. Même le 10R, qui est un excellent téléphone aussi. Alors, voilà, il n'a qu'un objectif, mais euh, il, il fonctionne quand même très très bien. Et là, on pourrait le trouver autour de, tu vois, 500, 600 euros peut-être en, en d'ici la fin de l'année. Et si minuit. tu possèdes déjà un iPhone 10 ou un 10S, il vaut mieux attendre? Moi, je pense pas que c'est une, voilà, une, sauf si tu as un usage très photo. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, hein, qui ont, bon, les Instagrammeuses et tout, tu vois, qui se font, prennent en photo toute la journée. Je pense que oh, pour elles, c'est si hein, ouais. ouais, un saut phénoménal. Mais vraiment, il y a des gens qui, qui utilisent ça vraiment pour faire beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Mais effectivement, c'est, c'est, voilà, c'est pas, c'est pas un modèle qui, qui marquera l'histoire. Mais c'est, c'est quand même un, un très, très bon téléphone sur la partie photo. Il y a un vrai, un vrai gap aujourd'hui. Et si tu as un iPhone. Si c'est un iPhone 7 aujourd'hui que tu veux donc te faire plaisir et prendre un iPhone, on peut plutôt leur conseiller le 11 aujourd'hui que le 11 Pro. Franchement, c'est le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui chez Apple. Exactement, c'est vraiment en termes de performance, on l'a vu, on l'a vu ce soir. Hein. L'année dernière entre le 10R et le 10S, il y avait euh, beaucoup de différences en termes de d'écran, euh, le nombre de capteurs. Là, là, les différences se sont se sont rapprochées et l'écart 350 euros, j'ai du mal à le justifier. Ah oui, totalement. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Laurent, quel modèle tu choisirais, euh, tu conseillerais cette année, euh, ou faut-il faut attendre Alors, je vais répondre de deux manières. La première, quel modèle j'ai choisi. Euh, j'ai choisi donc le. Pro euh, non max euh, en vert. Ouais. Euh, mais en tu... tant... Non mais non, je me disais tant qu'à changer, tu donc je change... de la mode, Non, un de tu sais très <laughs> bien que donc je change de façon forcée. J'avais un XS. Oui. Je... Si personne t'a forcé à sauter dans l'eau. Mais ouais. je pense que si j'avais mon XS, j'aurais pas fait ce saut. Ouais. J'aurais pas, <laughs> pas ressenti l'envie. Joli John Moo, effectivement. J'aurais pas ressenti. J'étais très très content de, 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 du XS et je vais même dire aller plus loin si j'avais un 10. Ok, donc je ne suis même pas certain que euh, ce soit totalement euh, révolutionnaire. Euh, je voulais dire quelque chose un, un petit peu plus tôt, et, et je ne l'ai pas dit, sur rebondir sur quelque chose que disait Cédric. Sur, les appellations sont intéressantes, parce que finalement, il y a un peu une, 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 une séparation des usages. Quand tu dis pro, a priori, c'est professionnel. Donc on est plutôt dans... Je, je dis juste que hum. théoriquement, hum. dans l'appellation, il, il y a un choix oui, qui a été on fait. Je cherche de... le pro, hein, il oui. ou USBC, mais, euh, bon, hein, est où le mais bon. Oui, vrai que... je dis voilà. Donc on a une, une trajectoire avec oui. euh, le usb enfin la, la, le chargeur un peu plus rapide. Ça. Donc ça peut être intéressant de se dire peut-être qu'il vise une approche grand public euh, avec le 11 et une approche plutôt d'entreprise avec le pro qui peut être financé par euh, par des entreprises avec un peu moins un regard peut-être un peu moins regardant, euh, sachant, que, euh, sachant que je pense qu'effectivement, le 11 est aujourd'hui un super téléphone avec une offre multicolore. Ça. Euh, je, pense, je pense que moi, j'aime bien, bien le 11. Ouais, pour nos amis podcasteurs, Cédric, qui veulent faire de la vidéo, le 11 Pro a de quoi séduire hein, avec ses triple capteurs. Et toi, qu'est-ce qu que tu conseillerais concrètement cette année bah, de toute façon de prendre le dernier mais, mais euh, la question c'est euh, ça dépend de ce que tu as dans la poche aujourd'hui. Si tu as un 10 s ou 10 s max, c'est vraiment pas indispensable. Euh, si tu as un 10 hein, ou si tu as un 10 R euh, ah, ça, ça peut se défendre. Si tu as quoi que ce soit auparavant, d'avant, euh, oui bien sûr enfin ce serait, ce serait une mise à jour ou là tu verras imagines si tu as un iPhone 7 ou un iPhone 8 dans la poche, tu passes à ça. Euh, là, tu, tu vois quand même une différence marquante sur tout plein chose de choses. Un saut quantique. Bon, un saut quantique, mais euh, sur la puissance, sur l'autonomie, sur la photo, bien évidemment, sur tout le reste. Euh, Il ne faut, faut jamais oublier, on est quasiment dans le, dans le même euh, format que l'iPhone 7 Plus. Euh, or, fait. si tu passes d'un 7 Plus à ça, euh, là, tu vas, tu, vas, tu vas comprendre pourquoi tu as dépensé de l'argent C'est clair. Allez, je pense qu'on a été le plus, le plus précis sur euh, ces iPhones. On y reviendra plus en détail avec des tests plus poussés parce qu'on l'aura simplement eu en, entre les mains beaucoup plus long, longtemps. On va essayer de vraiment se faire plaisir, notamment avec euh, Stéphane euh, Zibi pour le côté euh, photo. Et puis je pense qu'il y a nos amis, notre ami Hubert Nguyen de Hubert Gisbo qui ne sera euh, pas loin. Rendez-vous d'ici quelques jours, quelques, une dizaine de jours maximum sur euh, On Refait le Mac pour une prochaine émission pour un grand test autour de l'iPhone 11 et 11 Pro. On passe tout de suite à vos coups de cœur. Série, quel est ton coup de cœur cette semaine Olivier, tu le sais, il y a peu de marques dont je sois un fan indéfectible. Il y en je a quelques-unes. J'en connais, unes, un, je hein, en mais connais mais, une ou deux. Euh, tu connais quoi J'en je connais une ou deux. Que tu de... Oui, non, il y en a, c'est vrai. Mais, euh, mais il y en a peu dont je Et puis en plus, depuis longtemps, et, et de manière absolument constante. Voilà. C'est-à-dire que, comme, comme je l'ai dit souvent, cette marque-là, elle a résolu un problème. Il y avait un avant, et puis bah, après, mon problème était résolu. Cette marque, c'est Sonos, euh, spécialiste du son multiroom. Tu vois, t'en mets partout dans la maison, et euh, tu joues ce que tu veux sur une enceinte ou sur tout en même temps. Tu joues tout, évidemment, euh, tout ton Apple Music, ton Spotify, les podcasts, la radio et le reste. Euh, t'en mets une sous la télé, enfin bref. Et. Euh, il manquait quand même une chose dans le line-up de Sonos, ça fait quoi ça fait que 8 ans que je leur demande, mmh. il manquait une enceinte portable. Enfin, voici ouais. Voici la Sonos Move. Regarde, il n'y a plus de fil. Cette, cette enceinte, elle est Wi-Fi à la maison et elle est Bluetooth partout ailleurs. Tu sors de chez toi, tu cliques sur le petit bouton Bluetooth à, à l'arrière et ça devient une enceinte mobile. Alors le design fait très euh, chouette à poser au salon, mais en fait non, très elle est sonos. vraiment faite pour aller très Sonos. Hein. Elle est faite pour aller à l'extérieur. Elle euh, résiste euh, à la poussière, à la température, aux éclaboussures. Tu verrais les vidéos, il éclabousse avec de la moutarde et du ketchup, c'est absolument dégueulasse. Euh, C'est-à-dire qu'elle est vraiment euh, taillée pour la route. Euh, alors, il y a un problème de portabilité, tu vas pas la jeter au fond de ton petit sac à dos, elle pèse quand même un, un solide 3 kg, c'est un, un gros truc solide. C'est dense comme un iPhone, j'ai envie de dire, tu vois. Oui, bien. ça, je te confirme. Une fois que tu rentres chez toi, tu la remets sur ce petit anneau où tu as deux petits contacteurs. Un, elle se remet en charge, 10 heures d'autonomie, et, euh, et deux, elle se reconnecte au réseau Wi-Fi de la maison, comme si de rien n'était. Voilà, ça s'appelle Sonos Move, que te dire de plus, sinon... Combien que bah, le prix aussi, il est très sonos, Olivier. Tu vois <laughs> ce que je veux dire C'est 400, 400 euros. C'est le portable, on va oui, s'en passer. Tu t'attendais à quoi Tu t'attendais à 129 euros ah ouais, 100, Je ne sais pas, 100... 200 euros. Mais surtout qu'ils ont signé un deal mais... avec Ikea et les prix chez Ikea sont vraiment ouais. accessibles. Il se trouve pour d'autres raisons que j'étais chez Ikea ce week-end, c'est vrai que le symphonisk, l'enceinte le, le, de base Sonos IKEA à 99 euros, elle a un son euh, tout à fait euh, ouais. honorable. Là aussi, ça donne envie d'en mettre partout. Mmh. Mais ça y est, il y a enfin une enceinte portable. Ça, ça fait plaisir, ne serait-ce que pour la mettre, tu vois, je sais pas, sur le balcon, sur la terrasse, dans le jardin si t'as un jardin. Enfin voilà quoi. Merci. Voilà, Sonos, Sonos Move, c'est bon, mangez-en, ça va encore vous coûter, vous mmh. coûter 400. Oui, économiser. Prenez un iPhone 11 et puis avec les, les caracles, l'iPhone 11 Pro, vous pouvez acheter l'enceinte euh, Sonos. Didier, de ton côté, quel est ton coup de cœur Je vois que tu as quelque chose entre les mains. Oui, c'est un coup de cœur du pauvre, du coup, hein, parce que, <laughs> voilà, euh, bon, pour les petites gens en qui n'ont pas faut, trop le sou et qui doivent quand même stabiliser leur iPhone, parce qu'on l'a pas dit mais l'iPhone 11 a une meilleure stabilisation, c'est quand même pas de la stabilisation GoPro donc si tu fais des petits films, grand angle, il faut donc, euh, voilà c'est quelque chose, vous voyez ça rentre dans un truc, c'est ouais. grand vraiment euh, ouais. comme ça donc on a fait une petite vidéo hein, sur MacFerrari pour aller la voir, on a testé ça de front en comble, donc c'est le nouveau Osmo Mobile 3 2 DJI, donc il se plie je sais pas si tu vois un peu. C'est génial. Voilà, c'est vraiment super. Tu peux aussi passer du mode euh, euh, portrait, du mode, mode visage, en mmh. un clic sans remettre le téléphone dessus. Il coûte toujours 109 euros, donc euh, ça c'est incroyable. Ouais. C'est vraiment le pas cher. L'autonomie aussi a encore progressé. L'autonomie a un petit peu progressé. Bon, de toute façon, il faut savoir que ça tient à peu près à la journée. Euh, voilà, il y a des petits défauts quand même. Il faut un peu le stabiliser aussi. Voilà. Il... Mais avant, il fallait se balader avec un gros truc. Ce qui explique le Smog Go, c'est ça. Là, la version intermédiaire avait, avec... la version avec la caméra intégrée avait avait beaucoup euh, séduit et ça c'est une belle alternative et vraiment pas cher quoi et ça tient dans la poche quoi quasiment ça fonctionne bien ça fonc ça, ça tient quasiment dans la poche puis ils ont remis des petits trucs cool comme la gâchette ça montait aussi un petit peu en gamme voilà c'est vraiment pas cher et c'est vraiment si vous faites de la vidéo c'est absolument indispensable donc pour les mariages les anniversaires enfin il y a plein d'occasions en fait où tu te retrouves à filmer comme ça un petit moment et où pour que ce soit agréable à regarder après euh, il faut les mettre c'est ces, ces, un ces objet magique. c'est un super objet quand on sait que la discussion du jour a beaucoup porté sur les capteurs photo de l'iPhone. Ouais, ouais. Un bon complément. Juste ça comme ça. Merci Didier. Puisque tu as la parole, euh, euh, notre Barry White de la Tech, tu ne veux pas nous parler de ton coup de cœur Alors, mon coup de cœur, moi, c'est euh, un Rubik's Cube. J'ai vu un Rubik's Cube. C'est premier euh, hein, au goût du jour et en fait, il a une petite spécificité c'est qu'il est connecté. Euh, donc, un en fait, Exactement. Donc en fait, ça, ça s'appelle euh, GoCube ouais. et, euh, et tu as un, une application euh, sur mobile, donc euh, que ce soit iOS ou Android, pour te euh, permettre d'apprendre à le résoudre. Et donc en fait, je, je peux dire que <laughs> à 45 ans, j'ai enfin réussi à parce résoudre que jamais, un Rubik's Cube. Je n'étais jamais arrivé à le faire avant, malgré euh, tous les tutoriels trouvés sur le net. Et, euh, et je trouve ça génial parce que c'est ludique, on peut jouer. C'est vraiment ludique, on peut jouer contre d'autres personnes. Euh, on peut faire des cours, s'entraîner, mais on peut surtout apprendre à résoudre le Rubik's donc je l'avais acheté sur Kickstarter il y a peut-être deux ans, il est, arrivé, ah, est Kickstarter. Euh, ouais, il est arrivé et en fait sur le site aujourd'hui on, on peut le commander, ils ont sorti une, une nouvelle version euh, un peu plus simple et donc il s'allume, on peut même le faire il s'allume par l'intérieur, on peut même faire ça dans son lit la nuit, je si sais, vraiment on a des insomnies jamais, jamais, jamais réussi à faire un, un Rubik's je suis nul Merci Laurent. De mon côté, regardez-moi, j'adore les disques durs et notamment ceux de Lassie. Alors c'est plus qu'un disque dur parce que c'est un SSD. C'est le dernier né de chez l'assi c'est le Lassie Rugged. Hein. C'est euh, la gamme Rugged, Elle est très connue pour son bumper orange. Hein. Celle-ci donc c'est une version tout terrain, bien sûr, comme tous les Rugged, mais elle est équipée d'un SSD. Elle est très compacte, qui se décline en USB-C pour la version entre guillemets normale et la version Pro. Elle est noire, elle est Thunderbolt 3 elle euh, est très réussie également et, et bien sûr elle va de pair avec les, les MacBook Pro. La version USB-C assure des transferts jusqu'à 950 mégaoctets par seconde, la version Thunderbolt 3 quant à elle assure des transferts jusqu'à 2800 mégaoctets par seconde, et là on peut faire vraiment euh, des, euh, des montages sans trop de difficultés à partir d'un disque dur externe, que ce soit USB-C ou Thunderbolt 3, notamment si vous avez des Macs avec peu de SSD intégrés, c'est la bonne affaire. Son prix à partir de 199 euros pour la version USB-C, 500 go il est également disponible en 1 et 2 Tera c'est bien sûr plus cher en version Thunderbolt 3. Ça s'appelle donc le Lassie Rugged SSD et j'adore le design de Neil Poulton, euh, c'est vraiment très très chouette, là, notamment la couleur orange. Voilà, c'est la fin. Enfin, de ce 344e épisode de Rafael Mac, Dieu, Dieu que cette émission fut difficile à faire, croyez-moi, car on a eu vraiment les, les iPhones à la toute dernière minute. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci, Monsieur d'être venu jusqu'à ce plateau. Merci, euh, Didier, d'avoir descendu tes alpages jusqu'à Paris pour venir voir les iPhones. Mais avec plaisir Olivier, moi, dans Laurent. un beau studio D'ailleurs okay. si tu peux dire au mec de l'escalier là de, de C'est prévu, on va vous faire grimper dans les semaines Dans les mois, les semaines On vous réserve des surprises, on va vous faire un petit peu Découvrir les, les secrets de notre studio Et vous allez pouvoir monter, vous allez voir Dans la mezzanine, merci Cédric Et bon test de l'iPhone oui, je, va, je vais le, vrai, le démarrer pour de vrai maintenant. Je vais migrer le mien dessus et on s'en reparle. Merci à toi Cédric. C'est la fin de ce donc 344e épisode -le Mac. Merci de l'avoir suivi. Euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain -le Mac. On va certainement consacrer la semaine prochaine l'émission à l'Apple Watch Series 5 que tu as là. Regarde à côté de toi Didier. Donc on parlera ça ou Laurent la semaine prochaine. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Merci encore pour votre fidélité. Et à la semaine prochaine. Au revoir